Bonjour et bienvenue chez Natixis pour cet exercice traditionnel de, de fin d'année, euh, exercice toujours difficile, hein, qui est d'essayer de, pré, de prévoir l'avenir. Euh, et donc, euh, comme on entend souvent, bah, cette année 2022 sera particulièrement difficile, il y a plein d'incertitudes. Non, je pense que c'est un peu un processus probabiliste et que finalement, c'est un peu comme tous les ans, il y a beaucoup d'incertitudes, ça s'appelle la vie ou le futur. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une session un peu, un peu dense dans la prochaine heure et demie avec tous nos spécialistes de, de, de la recherche. On va essayer de balayer les sujets euh, à la fois macroéconomiques, de marché euh, avec des, des, des réponses assez concrètes sur ce qu'on pense en termes de stratégie euh, à la fois de, de portefeuille globaux mais aussi euh, ce qu'il faut penser des banques centrales et des courbes des taux on voit que ça, ça bouge pas mal notamment en ce moment on va essayer de balayer un maximum de sujets par définition on balayera pas forcément tous les sujets euh, euh, qui sont peut-être au cœur de votre, de votre réflexion on espère un maximum donc ce que je vous propose c'est d'utiliser un maximum euh, la, la, les, les, les questions et réponses hein. on les a en direct ce qu'on voudrait c'est que ce soit le plus interactif possible on est nombreux mais c'est un peu l'avantage du digital on peut sûrement essayer de, de, de répondre aux questions. Donc euh, on va avoir différentes tables rondes dans cette heure et demie. On va commencer à la première table ronde sur la macroéconomie pour un peu poser le, le débat euh, qui nous semble euh, important sur, sur, sur les, les, les prochains mois. Et notamment ben, on va commencer avec euh, quatre invités autour de, 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 de cette table. On va commencer par la Chine avec Alicia Garcia Herrero qui nous fait le plaisir de venir de, de, de Hong Kong pour nous. Donc voilà, au, au prix de trois semaines de quarantaine pour, à son retour. On va commencer avec Alicia avec la Chine. On sera accompagné également de Lissou Paez qui va nous parler des, des émergents. Il y a vraiment des, des problématiques intéressantes. On voit tout d'un coup qu'on se met à parler de la Banque Centrale de Pologne. Est-ce que c'est le leading indicator de la BCE On va parler un peu de ça, des, des, des problématiques qui se posent sur les émergents. Et puis évidemment de l'Europe avec, avec Jésus Castillo pardon, qui va nous, nous faire un petit peu le tableau. On a l'impression que c'est un peu le tour de l'Europe quand même finalement on disait que l'Europe était partie très tard et la vaccination se passe pas si mal bon évidemment on est en train de refermer certains nombres de pays en termes de confinement mais quand on se compare on se rassure quand même donc on va parler de ça et puis avec Bernard on va parler des prix de l'énergie parce que c'est quelque chose qui nous semble très très fondamental dans cette analyse est-ce qu'on va vers de l'inflation de la stagflation est-ce que c'est temporaire ou pas combien le temporaire dure on discutera de tout ça avec Bernard Dada notre notre expert analyste sur les sur les matières premières alors je vous propose de commencer donc euh, avec la, la session chinoise, encore une fois, n'hésitez hein, pas, les questions au fur et à mesure comme ça, moi je les pose directement à, à Alicia. Et puis on a un document qui sortira de toute façon qui résume un petit peu tout. Vous allez voir on a un certain nombre de slides qui vont dérouler. Euh, le document devrait sortir cet après-midi ou demain matin au plus tard euh, à l'appui de cette, cette discussion qu'on espère avoir avec vous. Voilà, donc je commence avec euh, avec Alicia. Donc on voit, euh, on a eu ce, ce, ce congrès assez assez intéressant de la Chine. On a un peu l'impression, je caricature que voilà, Mao avait fait l'indépendance de la Chine, Deng Xiaoping avait fait la prospérité progressivement de la Chine. Est-ce que voilà, est-ce qu'on a Xi Jinping qui est le nouveau Mao Qu'est-ce qu'il faut penser de ce, ce, ce congrès Est-ce que, est que, voilà, Xi Jinping, où est-ce qu'il emmène la Chine selon toi Merci, euh, Jeff. Euh, bon, on, voit, on voit bien euh, euh, qu'il n'y a que tr trois présidents qui restent. Le, le reste est disparu puisqu'il n'y a que trois résolutions du parti. C'est comme les photos du parti communiste de l'URSS, on les efface au fur et à mesure. C'est ça. Et, et si Jinping veut rester là, je dirais même euh, plus clairement que Mao Zedong et Deng Xiaoping. C'est pour cela qu'il est. Il, il va faire la troisième résolution parti qui, qui, qui a deux objectifs. Le, le, premier, le premier objectif très clairement rester à vie et, et pour des raisons, disons, soit la, les États-Unis qui, à son avis, veulent vraiment, et, disons. Et, Fermer la Chine et, et, et arrêter, arrêter la Chine dans, dans ce qui est clairement une Chine qui monte et, et, et surtout Taïwan. Et que la Chine devienne vraiment la Chine qu'elle était avant. Et, qu une Chine. Et, et Est-ce que ça peut aller jusqu'au conflit avec Taïwan, tu penses et, bon, je, je crois que la Chine a des. On voit les Chinois qui s'entraînent à envahir. Les bateaux américains sont dans l'ouest chinois. Il y a d'autres outils plus, plus rapides et plus. Pour commencer, il y a déjà une Lua qui arrive pour tout ce qui est, est pro-indépendance de Taïwan, pourrait être arrêté à la frontière de la Chine ou en Kong par ailleurs. Alors ça devient très compliqué pour Taïwan, mais bon, bref, ça c'est une raison. Et l'autre, au-delà de devenir président à vie, il y a aussi la prospérité commune. Alors, qu'est-ce qu'il faut euh... entendre par ça Parce qu'on a un peu l'impression que, oui. quand on lit dans les, 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 les résumés du, du Péplum, enfin, du, du, du Congrès du Parti communiste, pardon, on a un peu tout doit passer par le PC. Euh, voilà, on a l'impression que... Bon, on comprend que toute la data doit passer par le Parti communiste, mais... La data, pour commencer, et surtout la distribution de, de revenus. Parce que euh, c'est pas un modèle européen. C'est le, le, le les discours de, du, du président aussi... Sur la prospérité commune, il dit très clairement ce n'est pas un modèle européen, c'est un modèle chinois où la richesse doit être euh, bien sûr distribuée mieux de ce qu'on l'a fait jusqu'à maintenant, mais avec le centre, le parti qui soit le centre de la distribution. Ce n'est pas un modèle de fiscal euh, du tout. Alors ça veut dire que les entreprises privées auront des de difficultés énormes pour. Pour, euh, pour se développer. Alors, si on voit que l'entreprise le, le, privée prend moins d'importance au dé détriment ou à l'avantage du, du Parti communiste, est-ce qu'il faut s'attendre à un ralentissement de la productivité chinoise dans le futur, tu penses Oui, parce que les entreprises les plus productives sont les entreprises privées. Alors, ce n'est clairement pas de bonnes nouvelles pour, pour les investisseurs. Euh... Je dirais pour les investisseurs, surtout dans le domaine de l'équité, c'est quand même compliqué parce qu'il y aura moins de liberté pour les entreprises les plus, les plus, les plus productives. Et pour la croissance de la Chine à long terme, ce n'est pas de bonnes nouvelles, malheureusement. Justement, on voit des chiffres chinois quand même qui ont l'air de marquer un très fort ralentissement par rapport, au, on avait à l'habitude des, des, voilà, des, des croissances à deux chiffres, on voit bien une croissance voilà, du premier et deuxième trimestre phénoménale, et là on est plutôt en train d'un atterrissage assez brutal de l'économie chinoise. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va donner lieu à un stimulus Est-ce que c'est une croissance durablement plus basse auquel il faut s'attendre pour la Chine C'est quoi le, le 2022 et après pour, pour la croissance chinoise 2022, nous on a 5,2 parce qu'on s'attend... Un plan de relance euh, important. Et puis c'est le centième anniversaire du Parti communiste, on oui, ne peut pas avoir une croissance trop faible. ça. Et aussi le, le, le congrès en 2022, 2022, ça sera le congrès où Xi Pin sera officiellement euh, renouvelé, disons, à vie. Je, euh, on s'attend à ça. Et, et alors, certainement, il y aura un plan de relance, mais après 2022, je crois que le ralentissement sera beaucoup, beaucoup plus rapide. Et jusqu'à 2030, on s'attend à une croissance de 2,4, ce qui est vraiment la, la croissance moyenne des États-Unis. Alors, après 2030, la Chine n'arrivera pas à, donc, ne continuera pas la convergence avec les États-Unis. Est-ce que la Chine alors tombera dans la, la middle income Trap, non, le, la, la piège de revenu moyen? Hein. Est-ce que euh, bon, à ce moment-là, la Chine, j'imagine que ça sera 14 000 plus ou moins, 14-15 000, 000 dollars. Euh, ça sera pas la Corée, ça sera pas le Japon. Alors la Chine sera bien sûr une grande économie, mais pas assez riche, disons, pour vieillir tellement rapidement. Alors, ça, ça sera, une, moi, je ne dirais pas une grande piège, mais certainement une, une pièce. Et sûrement quelque chose de très impactant pour la croissance mondiale, parce que finalement, entre 2013 et 2018, on avait la croissance chinoise qui faisait 28% de la croissance mondiale, c'est-à-dire deux fois plus que les États-Unis. Oui. Ce que tu décris là, c'est oui. quand même un monde où la, la Chine arrête d'être le moteur de la croissance ça. mondiale. Absolument. Et dans les secteurs qui vont être privilégiés quand même, on voit qu'il y a un petit peu une, une, une concurrence entre tout le monde veut faire de l'hydrogène, de, de oui. l'intelligence artificielle et du, et du quantique. C'est quoi les secteurs auxquels il faut s'attendre pour la Chine, là, les, les secteurs favorisés par la, le parti communiste euh, Alors la santé, absolument, mais peut-être pas la santé privée parce qu'il y a déjà une, une forte compression des marges parce que euh, ils ont beaucoup réduit les prix. D'achat. De... Alors, disons que les secteurs favoris... favorisés pour les parti ne... ne seront pas nécessairement les, ser... les secteurs dans lesquels les... les investisseurs internationaux pourront investir, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, il faut faire attention et à... et au développement en Chine parce que moi, je trouve que ça sera toujours plus difficile d'investir comme étranger. Et justement, on parle beaucoup de domestique, circulation domestique. Est-ce que ça veut dire que la Chine est en train de se fermer une fois qu'elle a pris maintenant ce qu'elle pouvait, se caricature complètement, un peu voilà, la technologie Tesla, est-ce que maintenant elle va se passer de, 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 du reste du monde et, et, et essayer de croître par elle-même Moi, je dirais que la Chine a une façon de se ramener qui est très intéressante. Est pas l'Amérique latine <laughs> et, euh, riche. Euh, L'idée de, moi, je me ramène, je produis tout. Oui, ça, bien sûr, côté importation. Mais à, en même temps, j'exporte tout ce que je produis, c'est-à-dire euh, véhicules électriques, euh, euh, etc. Alors, euh, euh, bien sûr, euh, panneaux solaires, etc. Alors, la Chine crée un modèle par lequel elle ne dépend pas du reste du monde, mais elle exporte au reste du monde et surtout les pays émergents. Donc, c'est presque un facteur de fragilité ou de dépendance, ou en tout cas, c'est presque rassurant quand même, oui. cette interdépendance qu'il va continuer à avoir. Et interdépendance sans dépendre de l'Occident. C'est ça le modèle. N'hésitez ouais. pas à poser vos, vos questions hein, en direct. Je, je les poserai à Alicia directement. Alicia, hein, c'est notre chef économiste Asie et c'est vraiment une des grandes spécialistes euh, mondiales de la Chine. Donc n'hésitez pas. Moi j'avais une question sur le green. Finalement, là on sort de la ouais. COP euh, avec un peu de déception. Cette Chine qui veut un peu montrer que c'est l'élève et que maintenant, euh, voilà, on a un peu des, des désirs de grandeur. On sent euh, de la part de Xi Jinping, il veut que, comme il dit, que la Chine regarde le monde dans les yeux et donc est un peu maintenant un des, des peut-être un des, un des leaders mondiaux de, 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 un peu en tout. Est-ce que de ce point de vue-là, on ne pouvait pas penser que c'était un peu décevant. La la Chine est un peu en retard et sa neutralité carbone est en 2060. On sent qu'elle continue sur le charbon, oui. faute d'alternatives. Est-ce qu'il faut s'attendre Est-ce que ce sera peut-être une bonne nouvelle pour la planète À une espèce de, de compétition avec l'Europe et les États-Unis et que la Chine, à la fin, va peut-être mettre les bouchées doubles pour être le leader de la transition énergétique bon, Je crois que la Chine ne peut pas se permettre une transition énergétique trop rapide. C'est pour ça que euh, si nous on voit ce qu'ils ont annoncé, c'est surtout hors de la Chine. Vous voyez le financement du charbon, mais hors de la Chine, tandis que le vrai sujet, c'est le charbon en Chine. Oui, le pic c est... est en 2030, c'est ça, sur le charbon. Il continue à augmenter en production oui, d'ici là. Il continue à augmenter, surtout maintenant à cause de la crise énergétique, mais parce que le charbon reste. Euh, Vraiment, on le voit là, plus de 60% de la production électrique. Alors, ça ne sert à rien d'avoir des véhicules électriques en Chine si la si électrifié. Oui, si est est électrifié avec avec du charbon. Oui. Et sur l'hydrogène, typiquement, on peut penser que la, la Chine va être un des leaders dans ce que Et, tu vois. Mais c'est aussi hydrogène, euh, c'est pas. Non, l'hydrogène un... vert, hein, encore oui, une fois. Oui, c'est ça, c'est ça le sujet, c'est pas un hydrogène vraiment vert. Bon, je crois que la Chine, euh, c'est comme les vaccins, c'est exactement le même modèle. Oh, yeah. le, le, la Chine avait les vaccins, mais elle a préféré exporter les vaccins et, et, et ne pas vacciner la population trop rapidement. Jusqu'à maintenant, ça, ça s'est beaucoup développé. Mais pourquoi Parce que, le, la, disons, la, les exportations des vaccins pour des raisons aussi politiques étaient plus importantes que, et ils ont renfermé le pays pour pouvoir exporter les vaccins. Ici, c'est la même chose. Panneau solaire, on exporte. Après, on en utilisera, mais pour le moment, on préfère les charbons parce que finalement, on a le temps. C'est ça l'idée, on a le temps. C'est jusqu'à 2030, on pourra faire de 2025 à 2030. C'est ça le plan de la Chine. Tout se passe après 2025. Et tu penses que c'est sincère et sérieux C'est-à-dire qu'après 2025-2030, il va y avoir une accélération de la transition chinoise. Et donc, ça, ce serait un peu ce qu'on a vendu à la, à la, à la COP26. C'est-à-dire, bon, on est en retard pour l'instant, mais tous les gros efforts sont après 2025, finalement. Oui, parce que ça sera euh, moins cher. Parce que ça sera un moment où déjà les panneaux solaires, l'énergie éolique, ça sera moins cher. Et en plus, ils auront l'expérience. Alors, en même temps, il faudra plus réduire le CO2 que prévu. Quoi. Que oui. On doit le réduire de moins 5 par an. Si cette année, je crois la Chine, fait plus 5, la Chine et le monde fait plus 4, plus 5. C'est d'autant qu'il faudra retirer. Mais bon, on peut peut-être compter sur la Chine, mais dans le futur, c'est ce que tu dis. C'est ça. Ok, bah merci beaucoup Alicia, je propose qu'on passe à, à, au reste du monde justement, on voit alors donc du coup ce que nous dit Alicia c'est quand même assez fort, hein. c'est-à-dire qu'on a une Chine qui va faire 5% l'année prochaine mais qui va vers 2,4%, donc vraiment un ralentissement, la Chine va arrêter d'être un l'atelier du monde et le moteur de la croissance mondiale, alors si on ne va pas jusque-là mais qu'on s'en tient à 2022 déjà, c'est déjà pas mal d'essayer de, 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 de penser le, le monde des 12-18 prochains mois euh, du coup, Lissou euh, Paez, notre, notre spécialiste des, des, des émergents, est, est -ce qui, comment est-ce qu'il faut regarder finalement euh, les émergents pour 2022 C'est quoi les perspectives Bon, s'il y a un mot qui sert à définir un petit peu les perspectives que nous avons pour 2022 pour les émergents, ce sera le mot « divergence ». Donc les émergents vont évoluer dans un contexte d'une relative consolidation de la reprise qui a déjà été entamée cette année, mais dans un contexte de hausse de taux et dans un contexte de, traje de trajectoires assez divergentes. Donc, une trajectoire qui sera façonnée par différents facteurs. Il y aura notamment ces pays qui ont pu mettre en place ou pas des politiques de relance, des plans de soutien. Il y a en deuxième lieu forcément la vaccination, accès aux vaccins, déploiement de campagnes de vaccination dans les pays. Et plus récemment, face à la hausse des prix de l'énergie en particulier, des tensions inflationnistes qui viennent s'ajouter aux tensions inflationnistes qui dérivaient de toute cette histoire du choc de l'offre, de ces mécanismes conducteurs et compagnie, qui fait que la nature ou la condition d'un pays euh, qu'un pays soit exportateur net ou importateur net d'énergie jouera aussi un rôle déterminant en tout cas au premier semestre de l'année. C'est ça que la, la Russie s'en sort pas mal alors que finalement c'est un problème de vaccination, on est 30% vaccinés etc. Mais finalement l'énergie sauve. Tout à fait. C'est vraiment la marée qui, qui fait avancer tous les bateaux quoi. Tout et et, et l'impact des tu as parlé des prix de l'énergie, l'impact sur les sur les émergents. Comment est-ce qu'il faut regarder ça justement On évoquait la Russie et le pétrole. Ouais, bah, les, les pays gagnants, enfin les pays qui sont clairement nettement gagnant, comme on peut voir sur le graphique. On a revu à la hausse nos prévisions de croissance pour des pays euh, net exportateurs, donc d'énergie, euh, donc comme la Russie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, enfin tous ces pays au PEP+. Et euh, après, l'impact sur les pays net importateurs sera euh, un peu plus différencié. Pour ces pays qui sont euh, détenteurs euh, d'une grande euh, plateforme, enfin d'une grande industrie manufacturière, hein, comme sont l'Inde, la Chine, la Thaïlande, la Turquie, on verra peut-être un, un impact qui sera euh, plus négatif du fait qu'il y aura un effet de transmission de l'inflation qui sera plus fort, non seulement par le biais des prix de l'énergie, mais aussi une hausse des prix de la production. Et euh, après, il y a d'autres pays, par exemple, comme ceux d'Europe centrale, dont la facture d'énergie fossile est beaucoup plus importante que celle de ses voisins, euh, qui ont du nucléaire. Donc là aussi, on a un peu révisé à la baisse les prévisions de croissance pour la Pologne, la Hongrie et la République tchèque euh, pour le premier semestre de l'année. Euh, Amérique latine. Donc, ils sont sortis un peu. Euh, on a eu une forte révision de, à la baisse de la croissance ça, pour certains pays, hein, donc pour l'Argentine, le Brésil, euh, bon bah, le Pérou, euh, le Chili, bien que des pays exportateurs nets de matières premières, hein, exportateurs de, de biens euh, agri, notamment soja, maïs, et puis moi pour le Pérou et, et le Chili, donc le cuivre, hein, des gros exportateurs de métaux qui ont beaucoup bénéficié justement de la hausse des prix des matières premières. Dans cette année 2021, mais qui sont des importateurs nets de carburant, verront donc justement un impact plutôt négatif hein, quand on fait un peu la, la part des choses. Finalement, pour l'Asie émergente, je pense que ce sont ceux qui sortiront l'épingle du jeu voilà, d'une de, de, de meilleure manière, euh, qui sont dans une situation où la demande reste un peu à tonne du fait que la persistance de la pandémie fait que la demande domestique n'a pas encore voilà, repris tôt, tout son élan, et puis qu'il y a aussi. Donc, les goulots d'étranglement qui font que. Voilà, et puis le ralentissement aussi de la Chine. Où ils ont un levier quelque part où l'inflation est transmise, enfin n'impacte toujours pas aussi fortement, et du fait aussi que euh, leur production potentielle n'est pas encore au seuil, comme quoi euh, ils pourront éventuellement euh, sortir un peu l'épingle du jeu. Très bien. Et, et alors il y, y a un phénomène qui est assez marquant, je trouve, en ce moment, c'est on a cette espèce de focus fait sur les, sur les banques centrales qui est assez nouveau, des banques centrales émergentes où je, je citais tout à l'heure la Pologne, on parle aussi de la, la, la Turquie, on parle des banques centrales un petit peu qui sont en train d'être euh, citées comme des exemples de ce qui nous attend mais on, on sent bien que la dépendance au prix de l'énergie de ces pays-là est très différente de ce qui se passe en Europe. Euh, Qu'est-ce qu'il faut lire justement de des, 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 ce qui se passe sur les banques centrales avec les émergents bon, bah, Une grande partie de banques centrales émergentes ont déjà entamé un cycle de resserrement monétaire. Enfin en Europe, dans le cas de l'Europe, il y a la Hongrie qui a ouvert le bal au mois de de juin, suivi de, de très près par la République tchèque et puis qui a été rejointe par la Pologne très récemment, parce que les tensions inflationnistes sont... Avec des dévaluations hein, en plus euh... Avec euh, ouais, des de, 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 de tensions sur les monnaies qui sont très très fortes. En Amérique latine aussi, les banques centrales du Brésil, euh, partout, euh, ils ont dû le Chili, le Pérou, euh, et plus récemment... Et là on, on a des inflations vraiment à deux chiffres, c'est de la vraie inflation là. fait oui, tout à fait. Tout à fait et, des, et, et une persistance voilà, des tensions qui restent en place, et bon, bah, qui dégrade un peu donc les perspectives de, de, de croissance. Euh, en Asie, donc a, on, on anticipe quand même qu'il euh, y aura ces des pays où la politique monétaire a de l'espace pour rester encore un peu accommodante, hein, qui sera supportive de la, pour la croissance euh, en, en 2022. Et puis, bon, bah, sous l'exception, euh, la Turquie, qui a entamé fin septembre un cycle voilà, de baisse des taux. C'est très pratique pour un macroéconomiste, euh... parce qu'on voit ce que ça donne en fait, qu'une baisse des taux ne fait pas baisser l'inflation. Tout à fait. Le... On n'est pas contexte, encore dans le néo-fichérisme et compagnie. Dans un contexte où bon, bah, la Turquie aura une croissance euh, très importante cette année, 8 mais une inflation à hauteur de 20 et puis une tiroir dans une monnaie qui vient de franchir le cap de 10 euh, contre le dollar, donc un plus bas historique. Merci beaucoup, Lissou. Donc, on le voit, une situation assez contrastée sur les émergents. Il hein. faut vraiment lire les émergents comme une classe d'actifs intéressante, mais avec vraiment une grille de lecture très, très dépendante à la fois du, du commerce mondial euh, qui va redémarrer. Hein. On sent que les goulots d'étranglement pour nous sont. sont, sont ah, voilà, c'est ce qu'on dit tout le temps. Hein. C'est comme un embouteillage. C'est long, un goulot d'étranglement, mais ça finit toujours par s'arrêter. C'est long quand on est dedans, mais à la fin, on en sort. Et donc, ça, ça veut dire sans doute que les émergents vont en profiter à un moment ou à un autre. Mais voilà, cette dépendance au prix de l'énergie, il euh, y a des gagnants et des perdants. Tu, tu viens de le dire. Alors, nous, en Europe, on n'est pas tellement les gagnants de, de cette crise énergétique. On, on prend un petit peu l'inflation, on prend ses goulots d'entranglement avec l'Allemagne. Est-ce que, quand même, ce n'est pas un peu le tour de l'Europe On voit que, bah, finalement, on avait beaucoup décrié l'Europe sur la vaccination, sur cette capacité à s'organiser face à la, à la Chine et aux États-Unis qui s'en sortaient très, très bien. In fine, on a finalement l'impression que l'Europe, aujourd'hui, quand on regarde nos, nos perspectives de croissance, hein, bah, à l'image de la France, hein, on a une croissance française cette année de, de, de pas loin de 7%. On on a mis 6 8, en étant assez, assez, assez proche de, de, de la Banque de France ou de l'ICE sur le quatrième trimestre, donc rien de particulier. On arrive assez vite à loin de 7% de croissance et encore 4,4% pour la, la France l'année prochaine, donc euh, pour une croissance potentielle plutôt proche de 1,5%. Donc on a quand même encore, euh, on a l'impression, euh, des, des réservoirs de, 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 de croissance, mais on voit quand même la zone euro qui, qui ralentit Jésus, et notamment bah, avec ces goulots d'étranglement qui pèsent sur les pays. Alors on parlait de, de, de la Hongrie, de la République tchèque, des gros producteurs, des, des sous-traitants. Automobile, c'est évidemment le cas de, 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 de l'Allemagne qui ralentit très fortement, mais on est en train de ralentir cette année. Est-ce que ça veut dire que l'année prochaine on révise à la hausse et On ne fait que repousser un peu dans, dans le temps. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu raconte sur, sur, sur la zone euro aujourd'hui Ça ralentit pour de bon ou c'est juste un petit, un petit effet passager Il y, y, y a plusieurs facteurs. Hein. Le, le premier, c'est effectivement là, quand on regarde ce qui s'est passé au deuxième et troisième trimestre, on voit une croissance qui a été robuste, forte hein. 2% et 2,2% au troisième trimestre trimestre donc ça c'est des taux de croissance assez euh, très très bons on va dire pour la zone euro sur euh, sur le trimestre après comme tu l'as dit il y a un certain nombre de vents contraires qui sont en train de souffler mais ça ne veut pas dire que les fondamentaux euh, de la macroéconomie européenne sont mauvais on a une consommation qui a redémarré très fortement et parce qu'on euh, a eu euh, la fermeture d'un certain nombre d'activités. Après le développement de la vaccination qui a permis de réouvrir ces activités, on voit aussi qu'il y a eu le retour du tourisme. Donc ça, ça a permis aussi de tirer un certain nombre d'économies euh, comme l'Italie, la France, l'Espagne qui sont assez dépendantes du tourisme. Ou en tout cas, est un, ou, dont le tourisme a un point important dans, dans la croissance. Et puis, euh, on voit aussi comment l'industrie a rebondi, mais maintenant euh, fait face à un certain nombre de, de goulots d'étranglement, parce qu'il y a des problèmes sur les semi-conducteurs. Donc on voit par exemple clairement comment ça peut affecter l'industrie automobile, avec une industrie automobile en Europe, euh, si on regarde le graphe juste après, qui va être... Euh, ben, Toucher différemment selon les pays. On voit bien que l'Allemagne a beaucoup plus de mal parce que beaucoup plus dépendante à cette industrie. C'est un petit peu moins le cas à l'Italie qui a une industrie plus diversifiée. Donc, on voit qu'il y a des choses comme ça qui, qui pèsent aujourd'hui sur la croissance, mais ça ne veut pas dire qu'on euh, va euh, chuter euh, brutalement. En même temps, une voiture qui n'est pas produite aujourd'hui, elle sera produite demain. Et on, la voiture qu'on aura achetée demain, enfin en 2022 ou en 2021, on n'en aura acheté qu'une. De toute façon, ce que je veux dire par là, c'est que les 400 000 Renault qui ne sont pas produits cette année, on peut penser qu'ils seront, ils seront produits, et, et, puisqu'ils sont déjà vendus, l'année prochaine. Donc, est-ce que c'est un effet finalement retard qu'on peut espérer sur l'industrie euh, euh, automobile européenne, typiquement c'est ce qu'on met un petit peu nous dans, dans notre scénario, c'est-à-dire oui, il y a des goulots d'étranglement qui nous empêchent de produire, donc de vendre. Si on n'a pas le produit, on ne peut pas le vendre. On voit euh, un certain nombre d'indicateurs qui nous disent que ces tensions euh, sont progressivement en train de se réduire. Alors il va falloir un petit peu plus de temps. Hein. On avait imaginé un, une normalisation un petit peu plus rapide, ça va prendre un petit peu plus de temps et on verra qu'au deuxième et troisième trimestre 2022, on aura une croissance plus robuste qu'au quatrième trimestre cette année, où on voit effectivement des indicateurs qui nous disent que ça va ralentir. Et puis, comme tu l'as dit, il ben, y a la question de la production, il y a aussi la question de la demande. Quand on regarde l'épargne des ménages aujourd'hui, on voit qu'il y a des réservoirs, on va dire, de consommation, de toute une épargne euh, qui s'est constituée parce que euh, face aux fermetures euh, des services, mais aussi... Euh, d'un certain nombre de productions qui sont en retard, on va dire, on voit qu'il y a une possibilité aussi qu'il y ait un rattrapage. Ça dépendra du comportement des ménages et de comment ils décident de consommer ou pas cette épargne. Donc, pour ça, il faudra qu'ils aient un petit peu plus confiance, en fait, en l'absence. – C'est vrai qu'on si parle de 160 milliards en France, on parle de plus d'un demi-trillion d'épargne excédentaire. C'était oui. déjà des pays qui étaient euh, bah, un peu démographiquement assez, assez vieillissants, et donc avec une épargne assez élevée, mais en plus, avec le Covid, là, on parle de, de réservoirs de, de, de consommation assez, euh, assez importants. Et, et, et en fait, finalement, euh, c'est un peu peut-être comme ça qu'on peut regarder l'inflation. C'est Aujourd'hui, c'est un formidable choc d'offres parce qu'on n'a pas de problème de demande. Hein. Encore une fois, il y a des réservoirs de, de consommation, mais par contre, l'offre est incapable de, 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 finalement de, de répondre à la, à la demande. Et ça, si on y pense, ce n'est pas si négatif que ça pour les entreprises. Pour les, pour les, D'ailleurs, les résultats des boîtes sont assez bons. On parlait de l'automobile. Typiquement, ils ont réussi à vendre des, des automobiles à plus forte marge. Un choc d'offres, ce n'est pas mauvais pour les résultats des entreprises. Donc, pour les earnings, on parlera tout à l'heure des valorisations des, des actions, mais un choc d'offres, ce n'est pas forcément mauvais. Si c'est de l'inflation due à un choc d'offres, c'est entre guillemets moins grave qu'une boucle prix-salaire, mais est-ce qu'on peut avoir euh, cette fameuse euh, boucle prix-salaire Est-ce qu'on peut avoir une inflation durable en Europe Tu penses ouais, C'est euh, effectivement, on voit que l'inflation en Europe provient un de la question des prix de l'énergie, donc choc extérieur, mais ça Bernard nous dira tout à l'heure un petit peu comment tout ça va évoluer. Deuxièmement, de cet déséquilibre offre-demande euh, qui fait que, comme tu l'as dit sur l'exemple des des automobiles, quand vous avez une pénurie de composants, vous privilégiez la fabrication des véhicules plus haut de gamme, donc ceux sur lesquels on marge plus. Donc ça, ça tire un petit peu l'ensemble des prix de ce secteur à la hausse. Troisièmement... On a euh, des effets de rattrapage euh, de tous ces services qui ont été un petit peu, qui ont été, pas un petit peu qui ont été durablement fermés pendant un certain nombre de mois et qui ont besoin de se reconstituer. Après quand on regarde euh, la situation des entreprises, ce qu'on voit c'est que dans l'ensemble les marges des entreprises sont bonnes, les profits sont restaurés, donc les capacités d'investissement. et donc s'il y a de la demande et des capacités d'investissement, c'est bon pour la croissance. Alors, – En plus de ça, j'ai envie de dire, il y, a, il y a toujours eu un débat, alors on a tendance à, à, à l'évacuer maintenant qu'il nous est favorable, c'est très européen, mais finalement on comparait toujours les plans de relance américains aux plans de relance euh, européen en disant ça va être 25% du PIB, les Américains ont tout compris, ils mettent des plans de relance phénoménaux euh, en œuvre. Euh, finalement, ce qu'on voit, c'est que le plan de Joe Biden, c'est 1,2 trillion, que finalement les nouvelles dépenses, c'est 500 milliards sur 8 ans, en plus financé par l'impôt pour, 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 pour partie. Euh, il finit l'impact sur la croissance américaine, américaine et est très très limité selon nous. Nous on prévoit vraiment, on en parlera, une croissance américaine qui va très fortement ralentir. On va passer de 5,5 à 2,5 en rythme trimestriel d'ici la fin de l'année prochaine. Donc on a ce sentiment là qu'il n'y a pas trop trop de soutien budgétaire. Au contraire, aux États-Unis on a ce déficit qui va être très fortement réduit. Quand on regarde l'Europe, typiquement la France, on va passer de 8% de déficit à 5, on voit bien que les déficits sont un peu. le soutien budgétaire est moindre, mais quand même on a ce fameux plan de relance européen qui a commencé à Adversés. Alors je pense à l'Espagne, à l'Italie, avec quand même des montants. Euh, bah, quand on compare ça, il hein, y a une très bonne étude de la Banque de France qui, qui, partie, qui, qui compare ça euh, au plan Marshall. Finalement, on se retrouve avec des, des, en point de pib euh, des, des, un plan qui est assez comparable. Donc notre plan Marshall en Europe, finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de la voir avec ce, 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 cette, ce Renew Europe Il faut, faut, faut regarder ça de façon positive ou quand même très accessoire non, moi je pense qu'il faut regarder ça de façon positive, hein, parce que les, le gros des, des dépenses vont commencer à arriver maintenant, donc ça va venir en relais de croissance sur 2022, donc ça c'est bien. Deuxièmement, après, oui, si on compare avec les États-Unis, on peut se dire Ah, mais c'est beaucoup trop faible. Mais en fait, ce qu'il faut lire là-dedans aussi, c'est le changement de paradigme qu'a opéré l'Europe, c'est-à-dire une partie de ce plan est financée avec de l'émission de dettes communes. Et ça, c'est une très grande nouveauté. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Ça veut dire que l'Europe, malgré toutes les critiques qu'on peut lui faire sur sa capacité de décision, son organisation politique, etc., est capable de s'adapter, de prendre des grandes décisions euh, au moment opportun. Et donc ça, c'est plutôt rassurant pour le futur de se dire, ben voilà, ça, on n'a on a pas hésité à activer ce, oh, cette émission de dette commune. Espagne-Italie, on parle de combien de montants là, en, justement, en, en, en subvention et pas en prêt ah, C'est plusieurs dizaines de, de, de milliards d'euros, là, je n'ai pas exactement tous les chiffres en tête, mais c'est quelque chose qui va vraiment venir soutenir ces, ces deux pays. Et alors, au-delà des, des montants, ce qui est important aussi... Euh, dans, dans ce changement, c'est que ça s'accompagne aussi par l'exigence de réformes structurelles. Et c'est des pays comme l'Espagne ou l'Italie euh, vont pouvoir euh, avancer dans des domaines où ils n'avaient pas forcément eu la capacité de le faire euh, précédemment. Changer les structures de leur économie, le marché du travail euh, en Espagne, la structure de l'industrie en, en Italie. Donc ça, c'est aussi très positif parce que on bascule aussi, on donne des moyens de faire euh, passer un cap à ces économies et donc. D'avoir une croissance à long terme plus forte que celle qu'elle avait jusqu'à maintenant. Ce qui veut dire qu'en 2022, l'output gap, hein, enfin la croissance européenne va être encore très largement supérieure à son potentiel. Hein, quelque part, ouais. ce que tu dis là, enfin, moi je pense à des pays comme, comme finalement comme l'Espagne qui font moins 11 en 2020, qui cette année rebondissent, on va dire autour de 5,5 ,5 parce que la saison touristique a été un petit peu empêchée par le retour du Covid, plus euh, un certain nombre de choses. Hein. L'Espagne, un gros producteur automobile, on peut imaginer quand même que ces pays-là vont rebondir assez fortement en, en 2022. Il y a ce petit décalage qui, qui va continuer. Il y a ce petit décalage, on voit que l'Espagne est encore en 6% de le niveau de son PIB par rapport à celui d'avant de, de, pandémie. Donc oui, il y a encore un, une marge de rattrapage, et il y a vraiment euh, des fonds justement qui arrivent au bon moment, comme je disais tout à l'heure, en relais et euh, qui s'accompagnent aussi ben, s'ils sont bien employés. Après, c'est toujours le risque de ce genre de plan. C'est euh, comment on les dépense et est-ce qu'on fait des dépenses intelligentes en termes de, ben, de transition écologique, hein, qui est un des grands axes du plan européen, de digitalisation de l'économie et aussi de formation euh, des, euh, de la main-d'œuvre pour sortir de la compétition uniquement par les salaires. Donc, c'est plutôt, plutôt un, 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 relais de, un relais de croissance, tu dis, pour, pour, pour l'année prochaine, avec effectivement quelque chose que je trouve assez intéressant. C'est que finalement, on a, on, quand on regarde le plan hydrogène, typiquement, euh, voilà, on a 7 milliards en France, on a 9 milliards en Allemagne, euh, 2-3 milliards en, 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 en Espagne aussi. On, on sent qu'il y a quand même un espèce de focus qui fait que ça ne part pas dans tous les sens. C'est plus ces réformes structurelles. Ça, je crois que c'est très intéressant. Et donc, in fine, ce qu'on voit, c'est qu'en 2021, on va, on va être assez proche, euh, en moyenne, de retrouver les niveaux de Covid de, de pré-Covid de l'économie européenne. La France, on y est déjà. L'Allemagne, il sera en fin d'année. L'Espagne un petit peu plus tard. Mais donc quand même 2022, on retrouvera pas les niveaux de croissance qu'auraient été ceux sans le Covid. Mais on a cette accélération qu'il faut qu'il faut garder en tête en Europe. On parlera de la la Banque centrale européenne euh, tout, tout à l'heure. Euh, on, on, on va passer au dernier sujet sur, sur l'inflation. N'hésitez pas à poser vos euh, des, 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 euh, des, vos questions. Il euh, y en a sur les euh, sur les euh, sur la sur les matières premières. Bah, justement, on va y venir avec Bernard Dada, notre notre expert sur les sur les sur les sur les sur les, sur les prix de l'énergie. Alors c'est bien parce qu'il est à la fois sur aussi sur les métaux. Donc il y a quand même tout un sujet de se dire bah oui c'est peut-être transitoire avec le gaz parce qu'on va passer à d'autres énergies, mais peut-être quid des, des choses comme le lithium ou finalement bah, ça c'est l'énergie du futur en tout cas de la voiture électrique. Est-ce qu'on peut pas s'attendre à là, un super cycle de de premières de On voit que les prix de l'énergie donc on fortement remonter, ils ont quand même pas mal baissé sur les prix du gaz, la moins 40% au mois d'octobre, on voit des, des prix qui reviennent un petit peu, alors même les semi-conducteurs finalement ça s'est stabilisé. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces prix-là Combien de temps dure le temporaire C'est un petit peu la, la thématique. Là. Donc, ce qui est intéressant, je suis dit, en termes de transition énergétique, de gaz, on est où ce qu'on a vu euh, ces derniers mois, quand on a vu la flambée des prix du gaz, c'est que le gaz est vraiment cette énergie de transition vers le renouvelable. Pourquoi alors, ce qui s'est passé avec l'histoire du gaz, c'est que le gaz, euh, il a la saison de l'été où on remplit du gaz les réservoirs et en hiver, on dépense. Il y avait un hiver assez rude l'année passée. On a beaucoup dépensé d'utiliser de, 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 de du gaz. Tous les cargos de LNG, la plupart sont allés en Asie. La Norvège, qui avait fermé, qui n'avait pas fait de maintenance durant le Covid, a commencé à faire du maintenance, plus, plus grand producteur européen de, 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 de gaz. Donc, pas assez de gaz en Europe. Tout à coup, on voit quoi euh, le Royaume-Uni, pas assez de vent. Donc, le Royaume-Uni qui à 35 utilise de, de l'éolienne pour son énergie, pas assez de vent. Donc, tout à coup, on va au gaz. Et on crée une flambée des prix de gaz déjà le une perfect storm, mais sans vent. Perfect, storm. perfect storm dans ce sens-là. <laughs> sans vent, exactement. Et on a cette crise avec le, le gaz. Donc, ce que, ce que ça nous montre, en fait, qu'on a besoin du gaz encore pour cette transition énergétique. Oui, le gaz a une uh, carbon footprint comparée au, à l'éolienne, mais ça sera beaucoup moins que le charbon. Oui, c'est deux fois moins de CO2 que le charbon, mais, euh, mais je crois euh, que c'est quoi C'est 478 grammes du kWh CO, de, de CO2 émis, alors que voilà, l'éolien, je crois que c'est 17 ou 18, donc c'est quand, quand même un truc polluant. C'est quand même, quand même un, un, un truc polluant, mais on a besoin à court terme. Et ce qu'on a vu aussi dans le marché d'énergie, à cause de cette crise du gaz, c'est que euh, L'équivalent euh, en barils de pétrole au prix, c'était 160 dollars euh, le baril de, de gaz en équivalent pétrole. Donc ce qui se passe, c'est qu'on voit euh, les industriels qui peuvent se le permettre shifter du gaz vers le pétrole. Et donc on a vu qu'une de demande mondiale de pétrole a augmenté d'environ 400 000 euh, barils par jour à cause de la flambée euh, des prix du gaz, ce qui, qui n'est pas très gourmand de voir. Euh, le gaz influençait le prix du pétrole. D'habitude, c'est l'inverse. Pour te répondre à ta question en termes de combien dure le, le temporaire, où est-ce qu'on voit le gaz euh, Pour le gaz, les prix resteront élevés, pas nécessairement au prix qu'on a vu actuellement, euh, mais ils resteront élevés parce qu'il y a eu de sous-investissements dans la production de terminal de LNG. Donc, tous les projets de gaz et euh, durant les dernières 3-4 années, il n'y a pas eu beaucoup d'investissement à cause de la, la chute des prix en 2016-2017. Il y a un lag de 5 ans entre lorsqu'on prend une décision pour construire et lorsqu'on arrive à produire. Donc, nous, on s'attend à ce que la production recommence à augmenter en 2024. Donc, il y aura 3 années plus ou moins euh, difficiles. D'autant plus qu'on aura aussi la taxe carbone. Ce qui fait en Europe, euh, on aura le prix du gaz plus la taxe carbone. Ça, ça va faire qu'on voudra utiliser plus de gaz que de charbon, mais ça va dire que le gaz va, quand même rester va, va, quand même. va rester euh, élevé. Et enfin aussi pour en conclure en, en termes du, du, du pétrole. Alors pour le prix du pétrole, euh, la situation, il faut regarder les États-Unis parce que c'est eux qui produisaient le baril marginal, d'accord. Donc tout ce qui est en dehors de l'OPEP. Et en termes de gaz de schiste, maintenant à comparer, euh, pardon, à pétrole de schiste comparé il y a quatre ans. Les investisseurs américains ou internationaux, ils ont changé de, de Ils veulent plus la croissance à tout prix. Donc, comme on peut voir dans, dans, dans le graphique précédent, ils veulent euh, un, une discipline euh, des coûts. Ce qui fait qu'ils demandent un return qui est beaucoup plus élevé. Et euh, donc, des prix de pétrole qui seront plus élevés. On va plus voir la, la croissance américaine du schiste à n'importe quel prix. Euh, et donc, ça nous fait penser que le prix du pétrole moyennera à peu près 77 dollars le baril l'année prochaine. Oui, c'est intéressant parce qu'on voit, avec justement la, pour faire la transition avec la, la, la COP 26, que finalement le financement des énergies, on, on, probablement qu'une des réponses, euh, une des, des, des réponses à la question du, 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 des prix du pétrole, c'est aussi le sous-investissement finalement qui a fini par avoir, où on, on fait plus de nouveaux investissements, il n'y a plus un peu, j'allais failli dire Ponzi, mais on voyait bien qu'il y avait énormément de capex qui étaient fait dans les producteurs de, 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 de pétrole de schiste. Et aujourd'hui, comme tu le dis, on est plutôt sur la sur la rentabilité, et donc les sous-investissements d'hier font un peu des, des, des goulots d'étranglement d'aujourd'hui, mais en même temps on voit cette, cette nécessaire transition énergétique et on voilà, c'est en train de devenir comme un gros mot le, le pétrole et le gaz de schiste. On voit bien les financements, hein, tout un des engagements euh, de toute la finance, notamment d'arrêter de, 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 le financement de ça. Est-ce que justement ça veut dire que ça peut être un peu plus durable ces, ces, ces tensions sur, les, sur ces prix des matières premières dans cette transition énergétique, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore euh, toutes les éoliennes et les, et les photovoltaïques, sans parler des centrales nucléaires, où on voit bien que la dernière fois qu'on a essayé d'en construire une en France en 2007 on n'est toujours pas, en, on est toujours pas en, en mise en place. Donc oui, on va faire, faire du nucléaire, mais ça prend du temps. Euh, pareil sur les, les renouvelables. Est-ce que ça veut dire sans doute qu'on est sur une transition longue sur les prix d'énergie Transition, oui, elle sera plus longue que ce que la, la plupart des gens pensent. Euh, je pense qu'on aura des prix toujours assez forts pour les prochaines 2-3 années en termes d'énergie euh, fossile, gaz et pétrole. Et une des raisons principales, c'est que les investisseurs ne veulent plus toucher à l'énergie fossile. En même temps, on a besoin d'énergie fossile. Donc on ne va plus investir, on ne va plus produire autant qu'avant. Par contre, la demande pour l'énergie est en train de, de, de croître. Donc on a quelques bonnes années encore pour le, pour le pétrole, pour le gaz. Par contre, euh, le supercycle de, de matières premières, ça sera un supercycle qui va en bénéficier les métaux de transition énergétique comme le cuivre, comme l'aluminium, euh, comme le lithium et, et, et d'autres métaux. Ça ne sera pas un supercycle comme, comme on a vu en 2005-2006, lorsqu'on avait en Chine de, du charbon, le pétrole, etc. Ça sera juste les métaux de transition énergétique qui en bénéficieront de, cette, de ce supercycle. Merci Bernard. Je propose qu'on prenne il y a quelques petites questions sur à l'issue de cette, cette cette session. Alors merci merci à tous les quatre. Il y a notamment pour pour faire le, le, le lien avec ce que tu viens de dire une question sur le plan hydrogène en disant est-ce que finalement il n'y a pas un risque de compétition entre pays au niveau au niveau européen Alors le, le, on a un grand spécialiste Ivan Pavlovitch de l'hydrogène qui n'est pas sur ce plateau mais qui publie pas mal de choses. Je vous invite à, à, à lire les publications là-dessus qui sont qui sont de, de grande qualité. C'est c'est un des grands experts de, du sujet. Ce qu'on peut dire quand même c'est sur ce sujet de l'hydrogène, c'est que c'est justement l'intérêt de l'Europe. Ce qu'ils ont fait, c'est des appels à projets au niveau européen. Donc est, on est plus dans la coopération que dans la compétition. On a un peu de compétition parce que c'est bien qu'il qu y en ait, mais en fait on est quand même sur des appels d'offres au niveau européen, hein, que ce soit sur l'hydrogène, que ce soit sur les semi-conducteurs, que ce soit sur la batterie. Donc cette fois-ci, si oui, disons-le, cette fois-ci c'est quand même fait de façon beaucoup plus coordonnée au niveau européen. Et c'est ce qui fait faire que, je ne dis pas qu'on est compétitif avec la Chine sur ses, en termes de montants mais quoique hein, quand on regarde sur l'hydrogène, on n'est pas ridicule quand on regarde sur le semi-conducteur, on commence à être sur des montants peut-être comparables à ce qui se fait en Chine. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alicia. Mais... Jean-François, j'ajouterais aussi en termes de transition énergétique, l'hydrogène, les voitures électriques ce qu'on voit que malgré le fait qu'actuellement actuellement les voitures d'hydrogène ne sont pas compétitives comparées aux voitures électriques à lithium et on pense que l'hydrogène sera plus compétitif sur, le, sur le, les camions, on n'a pas beaucoup de stations d'hydrogène en Europe etc. Mais pour l'Europe l'importance d'investir dans l'hydrogène qui est énergétiquement peut-être moins efficace qu'une qu voiture à lithium, c'est en fait une, une, une certaine indépendance énergétique que l'Europe voudrait avoir vis-à-vis -vis de, 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 de la Chine qui a un contrôle très grand, sur les matières premières telles que la production de cuivre, la production de manganèse, de métaux rares, euh, etc. Donc peut-être que ce n'est pas le moyen le plus efficace pour euh, produire une voiture, euh, électri euh, voiture électrique, mais par contre, on pourra peut-être voir une, une indépendance énergétique vis-à-vis -vis de, de, de la Chine. Très bien. Puis, il y a une question sur les. Sur les finalement, est-ce que les politiques monétaires ne sont pas responsables un peu du prix, euh, du prix élevé euh, des, euh, des, des, des matières premières C'est très bien parce qu'on va faire une parfaite transition avec, avec l'atelier d'après. Euh, ce qu'on peut quand même dire, c'est que les politiques monétaires ont permis d'éviter euh, une crise. Encore une fois, euh, quand vous voyez le. le, 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 le au Niveau officiel, la récession américaine aura duré deux trimestres. Donc, c'est grâce aux politiques monétaires et surtout aux politiques budgétaires, mais les deux sont, sont, sont parties prenantes. On a eu finalement une, une crise du Covid assez, assez, assez courte. Et donc, moi, je pense que l'élément de réponse, il peut être un petit peu de ça. C'est que oui, c est, c est, c est, ça, ça soutient le prix des matières premières, probablement, les politiques monétaires, parce que ça a soutenu la demande et les économies. Mais aujourd'hui, ce, ce que décrivait Bernard dans le, dans le diagnostic, c'est-à-dire que finalement, c'est un peu une perfect storm où on a sous-investi, on a encore des maintenances qui ont été faites, on a eu. Des, des, des tempêtes en plus en Chine, euh, euh, etc., des ports qui sont bloqués. Donc, tous ces goulots d'étranglement et toutes ces tensions sur les matières premières, on peut imaginer qu'ils se, qu se diffusent un peu. Mais ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on qu en conclut là sur cette, cette table ronde. N'hésitez pas donc à poser vos questions au fil de l'eau. Hein. On va parler justement des politiques monétaires, on va parler de, des banques centrales et, et, et des marchés juste avec cette table ronde euh, qui suit, euh, notamment sur, voilà, sur cette euh, un peu hystérie collective de resserrement monétaire. Est-ce que voilà, c'est vraiment le début de la fin de, de, des taux négatifs? on va parler de ça avec, avec nos, nos experts. tout ceci donc dans un, dans un contexte, on, on, on vous l'a décrit là, de assez finalement euh, 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 incertain, mais quand même de... D'une reprise qui continue notamment en, en, en Europe, euh, avec une, 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 une Chine qui va continuer à être autour de, de 5% euh, l'année prochaine. Et puis, donc, cette, c est, c est ces prix d'énergie qui vont rester un petit peu élevés. Donc, on va quand même avoir un petit peu d'inflation et on va en, en parler avec, avec nos trois experts, donc nos, nos stratégistes. Donc, on a ici qui m'ont rejoint Jean-Christophe Machado, qui est notre spécialiste euh, et notre, notre BCE Watcher, ICB Watcher euh, Guillaume Martin, qui est notre spécialiste sur les taux américains. donc euh, Et pareil, notre notre Fed watcher favori et puis Nordindam qui est notre seigneur stratégiste sur tout ce qui est devises émergentes et de plus en plus on regarde les cryptos, vous le savez comme tout le monde euh, Nordindam qui, qui nous a également euh, rejoint donc peut-être la, 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 la première question euh, elle va être euh, sur les États-Unis parce qu'il nous semble que c'est quand même les États-Unis qui sont en train de, 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 mener, de mener la danse hein, je le disais tout à l'heure nous on a un scénario un peu plus négatif que, que le consensus sur la, sur la croissance américaine je le disais hein, euh, on va quand même avoir une croissance qui va être divisé quasiment par 2,5 par rapport à cette année aux états unis Pourquoi Parce que beaucoup moins de soutien budgétaire, on passe d'un déficit de 15 points de PIB à 7 points de PIB, et puis cette fameuse politique monétaire, on va en parler avec Guillaume, qui est en train quand même d'arriver, de, 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 donc on a ce fameux tapering, c'est ça, hein, je crois, l'année, ce qui va résumer l'année de 2022, c'est que c'est les, les années du tapering quand même des, des, des grandes banques, banques centrales. La question que j'ai envie de te poser, Guillaume, finalement, en regardant la, la, la fête dans ce contexte-là d'inflation, on a vu de l'inflation à 6%, à plus de 6%, etc. On parle voilà, d'Amazon qui, qui paie 18 dollars pour pouvoir impacter les cadeaux de Noël. Est-ce qu'on euh, n'a pas une fête qui peut être behind the curve finalement Alors, sur la partie behind the curve et surtout sur le caractère temporaire de l'inflation, on parle vraiment de la pierre angulaire du discours de la Fed en ce moment euh, dans son cadre opérationnel de ciblage moyen de l'inflation, average Inflation Targeting. Donc en fait, la Fed ne montre assez tôt. En théorie, qu'une fois que l'inflation se sera stabilisée au-dessus des 2% et euh, que l'emploi aura atteint un niveau satisfaisant. Donc, ça, c'était le narratif jusqu'à il y a six mois. Et là, maintenant, il y a un narratif un peu alternatif qui commence à sortir, qui est poussé par certains banquiers centraux, qui est en fait que la Fed doit stabiliser elle-même l'inflation avant de revenir un petit peu à ce cadre-là. Et c'est un scénario qui plaît bien au marché. Hein. On a vu euh, notamment la première hausse de taux qui est pricée en ce moment. En juillet 2022, avec des hausses de 25 points de base après. Et c'est quand même un pricing très agressif qui n'est pas vraiment dans notre scénario. Donc, notre scénario, nous, euh, avec l'inflation qui atteindra un, plein, un point haut en début d'année prochaine à 6,8 avant de revenir un petit peu au-dessus des 2%, donc on sera toujours dans la zone d'action de la Fed. C'est euh, une première hausse en 2023, euh, soit au premier semestre, soit au second semestre, en fonction de la trajectoire de l'emploi. Donc, notre scénario central, c'est plutôt sur le deuxième trimestre. Et euh, donc, un aspect très important aussi en ce moment sur ce challenge de la Fed par les marchés, c'est que la Fed reste très crédible. Hein, quand on regarde un petit peu la courbe OIS, euh, le taux terminal, donc le taux final. Euh, on, auquel on s'attend pour la Fed euh, reste en dessous de l'objectif de la Fed. Hein. Il est à 1,50, donc ça montre que euh, le marché croit pas que la Fed a perdu le contrôle de l'inflation. Et sur ces jauges d'inflation, euh, un autre aspect très important, c'est elles sont toujours relativement compatibles avec ce qu'on a eu euh, dans les dix dernières années, hein, même si elles sont un petit peu au-dessus du range, qu'on regarde l'inflation forward 50 ans, 5 ans, les break-even, ou des modèles implicites euh, de d'attendre l'inflation, on reste toujours quand même euh, compatible avec le mandat de la Fed. Donc on a elle acc... peut attendre, <laughs> elle peut attendre quand même jusqu'à la fin du premier trimestre euh, en termes de patience avant de commencer progressivement peut-être à mettre un petit peu d'eau dans son vin. Et là, tu, tu, tu parles du premier trimestre 2022 ou 2022 2022, pardon. <laughs> et non, mais ce qu'on voit quand même, c'est qu'on a un marché qui teste, tu dis qu'effectivement, à long terme, on ne teste pas l'inflation et la crédibilité de la Fed. On a quand même un marché qui, qui intègre, tu le disais, une cinquantaine de BP dès 2022, plus de 100 BP en 2023. Donc on est, on est quand même sur 5-6 hausses de taux de, 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 de la part de, de, de la Fed. Nous, de, nous, on voit quoi par rapport à ça on, tu, tu disais, nous, on est beaucoup plus lent, finalement. Mais... Alors, première hausse... Euh premier semestre 2023 dans notre scénario central. Après, sur le rythme, on est quand même plutôt calé avec celui du marché, hein, puisque l'Average Inflation Targeting, c'est normalement, on attend un peu plus longtemps avant de monter assez vite. Hein. Donc là-dessus, ce, ce rythme un petit peu qu'on voit dans le marché, il nous semble assez cohérent. Euh, c'est juste que pour l'instant, l'Average Inflation Targeting, c'est un artefact un petit peu théorique. Hein. Il n'a jamais été vraiment euh, confronté à la réalité des faits. Donc là-dessus, euh, si on voit un petit peu historiquement, la Fed sera peut-être un petit peu plus progressive que elle ne l'a été. Donc, la première hausse, elle est prévue en juillet, c'est ça, sur, le, sur, le, sur oui. la fête. Donc ce qui n'est pas très cohérent avec euh, plutôt la communication, qui était de dire on attendra un petit moment entre la fin du tapering, enfin la fin du QI et, 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 et la hausse oui, oui. des taux. Euh, après, il y a une question qui, 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 est, qui, est, qui est bonne, c'est de se dire est-ce que finalement c'est un. un, un, un est-ce que c'est une reprise ou un rattrapage euh, Si jamais ce n'était qu'un rattrapage, les banques centrales n'auraient pas tellement besoin de monter les taux. Et il y a tout un argument hein, qu'on peut développer qui est de dire bah, si la croissance américaine ralentit à 2,5%, que l'inflation finalement revient elle aussi à 2,5%, donc finalement assez proche du, du, fait, euh, du, du fait de l'average inflation targeting qu'évoquait euh, euh, Guillaume, on n'a presque pas besoin de monter les taux. Pourquoi nous on parle quand même de reprise hein, C'est que les États-Unis sont déjà au-dessus de leur niveau de PIB pré-Covid. On parlait de l'Europe juste avant, hein, ou avec des pays comme la France qui là aussi ont retrouvé leur niveau de PIB pré-Covid et donc 2022 on dépasse les niveaux de, de, de pré-crise donc c'est assez logique finalement qu'on ait des banques centrales qui soient moins accommodantes mais ce qu'on est en train d'essayer de dire nous dans notre scénario c'est que finalement les banques centrales sont moins accommodantes c'est pas pour autant qu'elles vont passer tout de suite en mode restrictif, là comme d'habitude le curseur euh, et quand on regarde le passé à chaque fois les anticipations de marché ont toujours été un peu plus fortes que ce qu'a ce qu fait euh, réellement la Fed qu'est-ce qu'il faut penser en termes de courbe justement avec les euh, avec, avec fait parce qu'on voit un marché qui a joué tout à coup la stagflation avec là, du, 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 du bear flattening et puis ensuite du, du, du bull flattening. Qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu'il faut euh, Alors, qu'est-ce qu'il faut jouer Là-dessus, nous on voit deux grandes phases pour l'année prochaine. La prochaine phase, ce sera une phase un petit peu de modération. On s'attend, comme on l'a dit, à une stabilisation et une baisse un petit peu de l'inflation en début d'année prochaine. Donc, là-dessus, des pricing relativement progressifs sur la partie courte, donc baisse un petit peu des, des taux courts, une hausse euh, des taux longs pour des questions budgétaires. Hein. Une grosse partie du financement de l'an prochain sera euh, plutôt sur la première partie de l'année. Euh, et puis surtout derrière cette thématique un petit peu de réduction des liquidités excédentaires globales qui va pousser un petit peu les, les taux longs. Donc on devrait passer légèrement au-dessus des 2%, avec une offre nette de titres l'an prochain, qui sera finalement euh, assez proche de celle qu'on a eue l'an dernier, à 1765 milliards à peu près. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, après, c'est la thématique croissance qui reviendra. Hein. On l'a dit, on s'attend quand même à une espèce de trou d'air euh, côté croissance, qui amènera euh, ben, un effet de seuil en termes euh, d'investissement public. Et ça, ça devrait euh, démarrer une phase d'aplatissement par le long, donc de baisse des taux longs. Donc finalement, si on rajoute un petit peu ces deux aspects-là, on aura une première phase où les taux longs passeront légèrement au-dessus des 2%, puis après... Une modération, une, une, un repassage en dessous des 2% d'ici la fin de l'année. Sachant qu'effectivement, l'année prochaine, il ne faut pas oublier qu'en novembre, c'est les élections euh, de mi-mandat aux États-Unis. Et qu'on on a regardé ça un petit peu en moyenne, euh, le, 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 le parti euh, au pouvoir, en général, euh, au sein de la Chambre, perd en moyenne 38 sièges. Donc là, évidemment, ça, ça impliquerait une perte de la majorité et donc, sans doute, un, un activisme budgétaire beaucoup moindre l'année prochaine que cette année. Donc euh, on parlait justement du net supply qui est finalement assez comparable. Euh, ça va peut-être un espèce de blocage quand même euh, du, du côté du budget américain. Si on met des chiffres là-dessus, si on, on parle de nos, nos, nos prévisions de taux euh, l'année prochaine pour 2022, si, il faut donner des chiffres. On n'était pas oh ben si loin de la, la jauge pour l'instant, mais qu'est-ce qu'on dit sur l'année prochaine Alors pour la fin de cette année, on devrait pour le 10 ans être à 1,70, 1,75. Euh, le pic devrait être atteint euh, en début juin de, de, de l'année prochaine aux alentours de 2,10 et puis derrière on arrivera en fin d'année à 1,90, c'est notre scénario central. Les deux grosses zones de risque qu'on voit un petit peu euh, un scénario baissier, ce serait Jérôme Powell qui est remplacé par Laëlle Brainard avec une fête qui est beaucoup plus pro-régulation et surtout très patiente, hein, Laëlle Brainard elle est quand même vraiment pour ne monter Parce les taux. – Est-ce que plus d'ovige que de l'est Jérôme Powell. – Elle quoi. est beaucoup plus puisque puisqu'en fait elle ne veut monter les taux qu'une fois qu'on aura atteint le plein emploi, donc c'est vraiment une espèce de Fed euh, dovish de façon permanente. Et donc, dans ces cas-là, on aurait un petit peu la même dynamique en termes de courbe, mais les taux ne dépasseraient même pas les 2%. Et un scénario un peu plus haussier, lui, ce serait bah, un gouvernement, on a parlé de l'année électorale, qui essaye de compenser un petit peu la hausse d'inflation avec une compensation budgétaire, hein, des espèces de… – Chèques énergie ?– Chèques, euh, bah, excellente, euh, excellente idée. Ils avaient déjà des chèques de… de... De, de soutien euh, au pouvoir d'achat euh, lors du Covid. Hein, donc, c'est des choses qu'ils peuvent mettre en place, qui seront très compliquées à, à négocier au Congrès, mais c'est un des risques un petit peu haussiers. Hein, ce serait finalement une hausse. Euh, du déficit. Hein. L'an prochain, on voit, nous, un besoin de financement qui passerait de 4 000 milliards cette année à 2 400 milliards. Ces 2 400 milliards, c'est plutôt une estimation euh, basse, en fait. Hein. Elle pourrait être amenée un petit peu à la hausse. Et donc, dans ces cas-là, on aurait euh, bah, déjà un effet d'entraînement avec l'inflation qui fait qu'on aurait une quantification de la courbe, et surtout des taux longs qui seraient un tout petit peu plus hauts, mais on resterait quand même en dessous des 250. Donc ce qui veut dire que dans ce scénario-là, hein, on a des taux réels qui restent très 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 accommodants, hein, quand on compare avec la situation de 2018, où on avait quand même, il faut le souvenir, des, des, des taux qui étaient je crois autour de 3,20 euh, aux états unis des taux réels qui étaient positifs autour de 1, 1 2, 1, 3. Le scénario qu'on décrit là, c'est des, des taux réels qui sont très négatifs, hein, finalement donc très très euh, euh, favorables bah, à l'économie, euh, au refinancement de la dette et finalement aux actions aussi, on, on, on pourra en parler. Mais là, il y a une question qui est là-dedans, est-ce que le risque, c'est pas d'avoir finalement une fête behind the curve qui soit obligée un petit peu... Bah de, 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 de faire du rattrapage quelque part, euh, euh, comme on avait eu avec, avec Greenspan. un Est-ce qu'on peut avoir une hausse tous les mois, est ce qu'il est un peu en train de pricer le marché tout d'un coup en, en 2023, une espèce d'accélération des hausses des taux Ça, c'est possible C'est assez compliqué d'un point de vue maintien des, des conditions financières. Hein. Ce serait possible dans, si on sortait vraiment euh, d'un cadre où la Fed est crédible dans son mandat d'Average Inflation Targeting. Donc, si jamais le marché, on parlait des taux terminaux qui sont à 1,50, s'il passe à 2, voire un petit peu au-dessus, euh, la Fed serait quand même amenée à changer un petit peu de discours, à être un petit peu plus réactive. Donc dans ces cas-là, on verrait quand même des courbes qui seraient euh, bien plus élevées. On aurait un impact en termes de dégradation des conditions financières qui serait substantiel. Donc c'est la Fed va veiller au grain. La Fed, c'est vraiment quelque chose qui va falloir surveiller en début d'année prochaine. C'est un petit peu où est-ce qu'elle place le curseur entre ce scénario d'une Fed qui est patiente, qui peut se permettre d'attendre une normalisation de l'inflation un peu toute seule comme nous on le pense, et cette Fed un peu plus interventionniste. On en aura déjà une première, une première matière un petit peu au FOMC de décembre lorsqu'on aura le dot plot. Et euh, surtout en début d'année prochaine, puisqu'on attend un pic encore une fois en début d'année prochaine sur l'inflation. Donc, si jamais ce pic est un petit peu plus long, Jerome Boel va commencer, quoi qu'il arrive, à infléchir un petit peu son discours pour avoir une transition un peu plus, euh, un peu plus smooth. Mais euh, dans tous les cas, euh, on ne s'attend pas à ce qu'on ait une Fed qui euh, court après l'inflation. Ils ont quand même un arsenal qui est très, très conséquent pour, con pour combattre ça. Merci Guillaume. Effectivement, il y a une question là-dessus sur la, sur la boucle prix-salaire. Nous, il ne nous semble pas pour l'instant que les choses aient fondamentalement changé. Aujourd'hui, on a cet aspect, évidemment, rattrapage de, de rouverture, de goulot sur les, sur les professions que, avec des gens qui ont quitté le marché du travail. On parle de pas loin de 2 millions de personnes qui, sont, qui ont quitté le marché du travail. 1,5 million de personnes qui sont parties à la retraite, euh, bah, peut-être euh, grâce aux actions un peu élevées. Euh, tu, tu dis oui 3, 3, voilà. Donc, euh, si on compte tout le monde. Euh, donc, effectivement, on a eu comme des, des sorties du marché du travail, donc peut-être des, 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 des pressions sur les salaires. Nous, on ne pense pas que le monde est fondamentalement changé, qu'on est toujours dans de l'amazonification finalement du monde. Vous hein, voyez, qui, a essayé de, qui fait un référendum pour savoir si vous voulez un syndicat, bah, ça ne change pas. On n'a pas l'impression qu'il y ait moins, mais plutôt plus de gens qui livrent et qui, qui, qui bossent chez Amazon. Donc la, la dualité du, du, du marché du travail, l'indexation des salaires au prix, euh, le taux de syndicalisation, etc., etc. il ne nous semble pas que ce soit quelque chose qui soit très durable. Donc on ne croit pas trop à cette boucle le prix-salaire, même si dans nos comptes, on a mis un petit peu plus de, de salaires en, en, aux États-Unis euh, ou en Europe. Encore une fois, on est face à ça, des entreprises qui ont des taux de marge records. La France, on est sur des taux de marge de 37 des choses qu'on n'a pas vues depuis 1949. C'est pareil aux États-Unis, on a une profitabilité très forte. Donc pour l'instant, les hausses de salaire ne sont pas une mauvaise nouvelle et ce n'est pas trop, trop quelque chose qui nous semble être à même de faire une boucle prix-salaire. Si on passe à l'Europe, est-ce que c'est un petit peu finalement le même débat Est-ce qu'on peut avoir une banque centrale européenne qui, un peu comme la Fed, se lance dans son tapering et puis prépare les esprits à une hausse des taux, Jean-Christophe je pense qu'on va être patient du côté de la BCE, on va être un peu plus observateur. On a des attentes sur l'inflation qui sont un peu plus faibles qu'aux qu États-Unis. Euh, Christine Lagarde a été assez claire là-dessus. Ils sont très confiants sur leur, leur vue sur l'inflation à moyen terme, qui sont en dessous de la cible, donc pas de raison de se dépêcher de monter les taux. En revanche, il y a des gros débats sur les programmes d'achat, la réduction des programmes d'achat, bien évidemment. Euh, ce qu'on va voir l'an prochain, c'est que le, le programme lié à la pandémie va s'arrêter. Donc en mars 2022, on a la fin du PEPP. Mécaniquement, ça réduira les montants achetés de façon mensuelle, puisqu'aujourd'hui, pour rappel, la BCE a la capacité d'acheter environ 70 milliards par mois jusqu'en mars 22 pour le compte de ce programme-là. En plus de ça, on a la PP qui est le programme classique qui est de 20 milliards par mois. Nous, ce qu'on attend dans notre scénario central, c'est que pour pallier à cette fin du PEPP, on augmente la taille de la PP à 40 milliards et que donc on vienne soutenir le marché obligataire par le biais de, de ce programme-là, vu que la, la pandémie sera un peu derrière nous. C'est un peu une façon pour la BCE de dire la pandémie est terminée, on se relance dans un monde un peu plus normal, mais on soutient toujours le marché parce qu'on en a toujours besoin. Euh, quand on regarde un peu de façon globale les achats d'actifs, on voit qu'on va chuter d'environ 1000 milliards cette année à quelque chose autour de 620-650 milliards l'an prochain. En revanche, on a des déficits qui restent très importants en Europe, donc beaucoup d'émissions et une offre nette de titres qui va beaucoup augmenter. C'est pour ça qu'on aura sans doute des pressions légèrement haussières sur, sur les taux euros et qu'on attend un peu de hausse. Et sur les TLTRO, il y a un peu de débats qui sont en train d'arriver, parce que voilà, on disait, bah, voilà, la zone euro finalement a retrouvé ses niveaux de PIB pré-Covid. En 2022, on va avoir encore 4,5 de croissance euh, et quelques en Europe. Donc on va, on va retrouver finalement des rythmes de croissance, de, de rattrapage vers la trajectoire qui aurait été un peu celle pré-Covid, hein, quelque part. On, on rattrape le temps perdu. Est-ce que dans ce contexte-là, où les banques, les résultats des banques, on voit des, des performances bancaires assez, assez impressionnantes, hein, on, se croirait, on, on se croirait sur du, pas du Bitcoin, mais, mais voilà, on est, quand même sur des sur des, des, des valeurs, des, des, des chiffres de progression des, des, des GAFA. Euh, est-ce que le TLTRO dans ce, dans ce contexte-là est toujours euh, bah, nécessaire et est-ce qu'on pense qu'ils vont le rouler sans trop de soucis La question c'est de se demander ce qu'on peut retirer 2200 milliards de, du marché d'un coup. Je pense que c'est non. Donc on aura une mesure palliative ou en, en tout cas une façon de réduire un peu la liquidité excédentaire de façon progressive. Peut-être pour donner un peu de contexte aujourd'hui, on a un outstanding de 2200 milliards sur le TLTRO. On a une très grosse partie qui arrive à maturité en juin 2023, puisqu'on a autour de 1300 milliards. Et il y a quelques caractéristiques qui nous laissent anticiper des remboursements un peu précoces pour certaines banques. Ces caractéristiques sont les suivantes c'est qu'en juin 2022, on a la fin du super bonus à moins 1%. En plus de ça, les mesures de relâchement sur le collatéral à poster vont être. Prendre fin, sauf si elles sont prolongées. Elles pourraient l'être d'ailleurs pour essayer peu de faciliter les choses. Mais si ces mesures. plus green ou pas Justement, c'est une des possibilités dans un prochain TLTRO d'indexer, ou en tout cas d'avoir une volonté sur le collatéral de le rendre un peu plus vert pour favoriser un peu la transition écologique ou alors même euh, mettre une tariette ou un benchmark sur le stock de crédits euh, offerts par les banques, sur des, des crédits qui servent à la transition écologique. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait voir. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que tout ce framework green pour la BCE n'est pas encore en place. Il arrivera plus tôt en 2023. Donc, euh, ça voudrait dire que la BCE, en décembre, n'annoncerait pas de nouveaux TLTRO, ce qui semble un peu compliqué quand même. Donc, ce serait peut-être pour euh, un round, de, un, round un peu plus tard, ou d'autres des TLTRO 5, même si pour l'instant, on n'a pas encore les TLTRO 4. Et il y a d'autres risques qu'il faut qu'on surveille là, sur justement la BCE. Donc euh, il y a, il y a le, la réunion de décembre qui est évidemment très importante parce qu'ils vont donner leurs prévisions de croissance euh, et surtout d'inflation en 2024. Donc évidemment, il nous, il, la BCE nous dit que l'inflation en 2024 est encore à 1,5 ou 1,6 max, disons, en étant, en étant un peu pessimiste. Ça probablement calmera quand même la, ça, ça, assoir la, la forward guidance de la, de la BCE. Mais il y aura aussi évidemment toutes ces annonces sur le TLTRO, sur l'APP qui fera surveiller. Donc gros, gros meeting de la BCE comme le 16 décembre. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres risques à surveiller euh, là pour, pour 2022, c'est quoi pour toi les, les, gros, les gros sujets sur les marchés euh, européens Alors On a déjà ce premier facteur aussi avec la BCE et on a le risque politique bien évidemment, donc on a plusieurs échéances qui vont arriver, la plus grosse étant les élections françaises, mais avant ça, il faudra quand même surveiller le scrutin au Portugal, dès le début d'année et le scrutin présidentiel, enfin, le, le choix du président en Italie qui arrivera dans la foulée, donc fin janvier, début février. Euh, mais on va plutôt se concentrer aujourd'hui sur le risque politique français puisqu'on pense qu'on qu pourrait avoir un stress avec une prime, une prime intégrée dans les OAT, comme ce qu'on avait pu voir en fin 2016, début 2017. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas de candidat du Frexit à proprement parler, on n'a pas de gros titres dans la presse internationale qui nous parlent du Frexit en tête des sondages. Donc là-dessus, on estime que le stress sera sans doute plus faible que ce qu'on avait pu observer euh, lors de, des dernières élections, mais avec la réduction des achats de la Banque centrale, un supply net positif pour la France, la concurrence des eurobonds, on risque certainement d'avoir un écartement du, de l'OAT bond. Et aujourd'hui, on a une cible en mars Autour de 60 points de base contre 80, voire plus qu'on qu avait pu voir en, en intraday en, en 2017. C'est-à-dire qu'on avait vu 80, effectivement, à l'époque, on avait, souvenez-vous, hein, deux, deux candidats partisans du Frexit euh, euh, potentiellement au deuxième tour avec Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Là, ce qui se dessine, c'est plutôt d'avoir un candidat, on euh, euh, plutôt pro-euro euh, face à un candidat évidemment moins euro, mais, mais c'est moins radical. Donc ce que tu dis là, c'est qu'on aurait, aurait des, des primes directes. De mais le, le 60, le pic est en mars, c'est ça qu'on dit. On met le pic en mars, puisque ça coïncidera avec la réduction effective des achats. Elle sera annoncée selon nous en décembre, mais elle apparaîtra dans les flux de marché à partir d'avril. C'est pour ça qu'on met un peu un pic en fin mars, début avril. Ouais. D'accord, ok. Donc, tu, tu, tu... dans les risques, tu mets pas l'envahissement de la Pologne, ça, tu dis pas encore Pour l'instant, pas... on... on dit pas. On là. Mais on pointe peut-être sur les élections à un nouveau risque qu'on n'a pas eu la dernière fois, qui serait celui de l'entre-deux-tours avec des candidats d'extrême droite qui euh, décideraient de s'allier. Euh, même si aujourd'hui, dans les médias, ils n'ont pas très d'accord. – Vérité d'aujourd'hui et pas vérité de demain, hein. on a vu ça en politique. – On se rappellera du M5S et de la Lega. – Voilà, euh, Qu'est-ce qu'on qu qu recommande, nous, comme stratégie 2022 Ce serait quoi les positionnements qu'il faut, qu faut privilégier pour notre scénario, ce scénario central, en tout cas ?– Alors, avec la dégradation de l'aspect sur l'offre nette de titres qui va fortement augmenter et surtout euh, les niveaux de points d'entrée sur les marges d'assets de swap aujourd'hui, on pense qu'il faut plutôt être euh, donc, vendeur d'obligations contre swap. Je pense que le cash va sous-performer la partie swap, d'autant plus qu'aujourd'hui, sur la partie 2 ans, 10 ans de la courbe swap, on a encore des hausses de taux qui sont intégrées, puisque pour rappel, il y a eu un fort pricing de hausses de taux en zone euro. Il s'est réduit sur ce qu'on observe sur les premières échéances de rebord, par exemple, mais il a juste été repoussé. Et il est toujours un peu trop tôt à notre goût, puisque nous, on ne voit pas de hausse de taux arriver avant fin 2023, pour être honnête, voire plus. On a revu un peu nos, notre scénario, mais on, on a du mal à voir quelque chose arriver avant 2023. Euh, donc là-dessus, on serait sur ce genre de positionnement-là. Bien évidemment, un peu d'écartement des spreads avec le risque politique, donc BTP Boon et OAT Boon. Euh, on a des cibles autour de 150 pour le BTP Boon et sur l'OAT Boon, comme mentionné, on est autour de, de 60 points de base. Euh, et avec ce, cette cherté, on va dire, du cash contre swap, la, le moyen peut-être le plus intelligent de jouer les élections françaises, ce serait contre, contre swap, bien évidemment, directement. Merci Jean-Christophe. Euh, du coup, dans, dans un contexte là, on l'a vu, où finalement, les, les, les banques centrales sont un peu contrastées quand même entre les États-Unis et, 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 et l'Europe. Euh, petite question pour toi, Nordine, euh, toute simple, c'est où va le dollar dans ce contexte-là On voit bien que le différentiel de taux, en ce moment, euh, plombe l'euro. Le, le, hein on, on, on voyait finalement l'euro structurellement se renforcer contre le dollar, la dédollarisation du monde et compagnie. Finalement, euh, tout ça est un peu au second plan pour l'instant. Le, le différentiel de taux continue. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit perdurer en 2022 euh, ça peut continuer encore un tout petit peu. Euh, clairement, le dollar se reprend depuis, depuis le mois de juin, date à, la à laquelle la Fed a changé, a durci le ton. Elle l'a encore durci en septembre. Et puis depuis, donc, on a eu des chiffres d'inflation qui ont, ont renforcé davantage encore les anticipations de hausse des taux. Euh, et là, clairement, on a cassé des niveaux techniques assez importants. Et, et, pas seulement contre l'euro, mais contre la plupart des devises. Quand on regarde encore depuis le mois de juin, donc date euh, du changement de ton de la, la Fed, on, on se rend compte que le dollar a progressé contre toutes les devises. Alors, certaines devises ont résisté, etc., comme les devises Como, où on observe des hausses de taux, euh, comme en Nouvelle-Zélande, par exemple, ou les autres un petit peu. Donc, euh, la NOC a, ré... a résisté un tout petit peu, la euh, l'AUD devrait résister. Euh, grosso modo, est-ce que le dollar va continuer à progresser Déjà, à court terme, il a encore du potentiel. Puisqu'on a franchi des niveaux techniques, notamment contre l'euro, donc euh, on peut aller tester. En fait, on va effacer euh, la hausse de l'euro qu'on a pu observer au, au lendemain de, 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 de la crise du Covid. En mars. Donc on est avant le Covid, on était autour de 1.11. Euh, et il y a des chances qu'effectivement qu'on aille tester ces niveaux euh, d'ici décembre parce qu'il y a des rendez-vous importants. C'est d'abord les chiffres d'inflation aux états unis la réunion de la Fed. Euh, Tous ces rendez-vous vont rendre un petit peu le, mar la le marché. 16, la BCE. Ouais. Tous ces rendez-vous vont rendre un petit peu le marché assez nerveux et c'est le dollar qui en profite parce qu'on se rend compte. Que les actions finalement résistent relativement bien. Euh, c'est clairement le dollar. Et donc maintenant la, la question c'est plus pour après. Est-ce que euh, on peut avoir un dollar qui continuera à progresser Je ne pense pas parce que ça voudrait dire qu'on passerait en dessous des niveaux d'avant crise du Covid et la situation d'avant crise n'est pas tout à fait la même qu'aujourd'hui. Euh, on on le disait juste avant le, la, la, la croissance européenne va être plus forte l'année prochaine qu'aux États-Unis. Euh, on a un excédent courant toujours très important même si c'est plus structuré. Euh, tous ces éléments plutôt, sont plutôt favorables à l'euro, même si sur le court terme, c'est plus la nervosité du marché. En 2022, l'euro, on le voit. On le voit on, donc on pourrait revenir vers 1,14. Euh, c'est un, un profil différent de ce qu'on avait jusqu'à présent. Très bien. Et sur les. Sur les autres devises, tu as parlé un petit peu des, des, des mouvements sur les, sur les émergents. Est-ce que c'est des choses, il y a des choses particulières qu'il faut surveiller en 2022 Alors, les devises émergentes ont également beaucoup souffert. Hein, donc, euh, que ce soit les LATAM, malgré la remontée des cours du pétrole et des matières premières de manière générale, euh, elles ont souffert parce qu'il y a des problèmes politiques, parce qu'il y a une forte poussée de l'inflation dans la plupart des pays euh, d'Amérique latine. Il euh, y a des devises qui ré résistent relativement mieux, comme euh, les devises asiatiques, euh, celles-ci parce que l'inflation. Est relativement faible et la remontée des taux est donc un peu plus faible aussi. Euh, et donc, parmi les devises émergentes, moi, je privilégierais plutôt certaines devises euh, asiatiques, hein, clairement, parce que qu'elles elles ont des taux réels toujours attractifs, parce que l'inflation est relativement faible, euh, autour de 2% pour la plupart des devises asiatiques, enfin des pays asiatiques. Euh, donc, ce serait plutôt ben, le, 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 le CNH, l'IDR, enfin donc la devise euh, indonésienne ou encore la Mire euh, qui ont une, relative, une, une stabilité relativement faible. On peut regarder aussi les dettes locales ou en, sur les émergences. Alors sur, sur, les, sur les dettes locales, euh, clairement là-dessus aussi, elles ont beaucoup souffert. On, on en a parlé juste avant, donc lié donc à, à, au taux de vaccination très faible, euh, inflation énorme et puis surtout des sorties de capitaux très importants qui ont pénalisé toutes les dettes euh, et surtout on se rend compte que quand on regarde un petit peu ça, c'est tout, tout souvent des dettes avec des durations beaucoup plus élevées que celles qu'on observe dans les pays comme les États-Unis et euh, elles ont beaucoup souffert. Mm -hmm. Donc maintenant, il y a des dettes très attractives puisque les taux réels de ces, dans ces pays sont très élevés, notamment par rapport aux États-Unis et, et par rapport à leur moyenne euh, sur cinq ans. On se rend compte qu'il y a des ventes. C'est assez, assez par sympathique. Peu, le... Et donc là, là où il y a des des, <laughs> des niveaux très attractifs, c'est encore une fois les pays asiatiques. Euh, donc euh, l'Inde, l'Indonésie, la, la... La Malaisie euh, et même le, donc, la dette chinoise est attractive en, en termes de taux réel par rapport à la moyenne sur 5 ans. Euh, la dette aussi sud-africaine, pour parler d'autres dettes, donc, est aussi attractive parce que l'inflation aussi est élevée, mais pas non plus élevée par rapport à la moyenne sur 5 ans, par exemple. Et puis les taux ont déjà réagi assez, assez significativement. Et puis en plus, la plupart des pays dont on parle ont réagi en montant en taux court si besoin était. Donc les banques centrales sont assez crédibles. Et alors du coup, ce que j'en conclue, c'est qu'on a le roi dollar est quand même toujours là, que c'est toujours très contrasté sur les sur les émergentes. Est-ce que finalement on est on est dans un moment où il faut regarder des, des alternatives Comment est-ce qu'on regarde les les, les, les les cryptos dans ce contexte-là Toi, tu, tu... Alors les cryptos, clairement, ont fortement progressé, mais la volatilité reste toujours très importante. On l'a vu encore ces derniers jours, parce qu'on est passé soit sur le bitcoin de 66 à 60. Il euh, y a toujours cette volatilité qui reste importante, mais euh, la plupart des intervenants continuent à être assez positifs, plus sur le moyen terme. Il faudra toujours s'attendre à des à-coups. Euh, et et ça peut être à... un outil de dédollarisation pour toi ah, pas tout de suite parce que ce n'est pas encore un gros moyen de paiement, c'est un moyen de paiement peut-être financier pour acheter d'autres euh, cryptos. Euh, c'est un moyen de paiement imparfait, on parle de plus en plus de, de moyens de paiement imparfaits. Euh, mais c'est clair, ça peut à terme commencer à, à, à faire mal, donc à certaines devises. Euh, surtout on parle des stablecoins dans ce cas-là. Et, euh, et, et là c'est aussi un gros sujet pour les banques centrales et les régulateurs et on l'a vu donc pour l'instant le régulateur Enfin, ça continuera à progresser seulement si vraiment les, on a un cadre réglementaire dans, dans les prochains trimestres ou prochaines années. On ne doute pas qu'il va, qu qu va arriver. Ben, merci, messieurs en tout cas pour ce panorama des, des marchés. On va continuer avec le prochain atelier sur, sur les, les, le, le crédit et plutôt on peut parler un petit peu de, de, de location d'actifs. Ce qu'on qu a quand même en tête, il y a une question sur la stagflation. Est-ce que la stagflation est envisagée Oui, on a bien évidemment regardé ça. Pourquoi c'est pas un scénario à risque et pas un scénario central pour nous du tout la stagflation. Parce que dans cette inflation, il, il y a récession finalement, hein. il y a stagnation l'année prochaine. Alors, ce qu'on voit un peu partout, on a, on a dit sur la, la Chine, 5% de croissance encore. Les États-Unis ralentissent, oui, mais restent à 2,5%, donc toujours au-dessus de leur potentiel. L'Europe à 4,5% et largement au-dessus de leur, son potentiel. Et puis, on voit des pays qui sont plutôt en train de réviser à la baisse leur croissance 2021 et qui la remontent en 2022 parce que la vaccination est arrivée tardivement, parce que les goulots de notre anglement, je pense au Japon, à l'Allemagne, à, la, à la Corée du Sud. Mais regardez un pays comme l'Australie, la, finalement, ils révisent à la baisse à 3% leur, leur croissance 2021, mais il la remonte à 5,5 ,5 en 2022. Donc on voit bien que 2022 c'est pas quand même une année de stagnation. On a un commerce mondial et les, les, les goulots d'étranglement sont, sont vraiment là pour pour pour, pour l'illustrer. Et puis vous avez vu peut-être les derniers chiffres d'importation et d'exportation chinoise en octobre. On n'est pas quand même dans un monde qui est en train de tomber dans la stagnation. On vient d'en de parler avec les banques centrales. On sent aussi que les banques centrales vont être très 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 Accommodante, pour ne pas dire d'oviche, hein. on a parlé de la possibilité de l'aile Brainard à la fête, qu'il sera encore plus que Jérôme Powell, mais même si on gardait Jérôme Powell, et, et quand on voit ce qui se passe avec Christine Lagarde, ou même la Banque d'Angleterre, qui a refusé finalement l'obstacle qu'elle s'était même elle-même mise devant, devant, de, devant son parcours, on voit bien que les banques centrales sont très très prudentes, et avec ce ralentissement à venir, on n'a quand même pas de risque d'avoir un overshooting non plus dans l'autre sens des banques centrales euh, à, à notre sens. Donc la stagflation, c'est évidemment un des, des scénarios euh, alternatifs au nôtre, mais Finalement, le scénario de boucle prix-salaire, me semble, à la limite, dans le scénario alternatif, dans le stress-test, il me semble plus, plus probable que le, la stagflation, c'était une, une, une des questions. Et bien pour terminer, ce que je vous propose, c'est qu'on passe donc à cet atelier euh, euh, avec... Euh Julien Cosano, qui est notre stratégiste crédit, et Émilie Tétard, notre euh, euh, stratégiste sur le, 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 tout ce qui est cross-asset euh, euh, au sein de la recherche Natixis. Peut-être pour commencer sur le crédit, pour faire le, 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 la continuité avec ce qui vient de se dire sur les, euh, sur, sur les marchés. C'est quoi pour toi, les, les principaux, Julien, les principaux risques sur les marchés du crédit pour 2022 Alors, nous, sur le marché du crédit, on identifie principalement euh, trois risques majeurs. Alors le premier, c'est évidemment l'inflation. Mes collègues en ont longuement parlé, donc on ne va pas s'étaler là-dessus plus longtemps. Mais pour résumer très sommairement, on a vu des indicateurs d'inflation à des niveaux historiquement hauts. Et donc la question qui subsiste, c'est la suivante. Est-ce que l'inflation est transitoire Et en fait, on commence à voir les premières réactions des banques centrales. Donc du côté de la Fed, on initie un tapering. Évidemment, c'est un gros risque pour les indices américains, pour les total returns des indices crédits américains. Et côté Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde a clairement écarté une potentielle hausse des taux pour 2022, ce qui constitue en soi déjà un premier signal positif pour, la partie, pour le segment crédit européen. Ajoutons à ça un PEPP qui risque à son terme d'être remplacé par un APP plus flexible. Et finalement, on a une sorte d'asymétrie entre l'Europe et, et les États-Unis en termes de soutien monétaire pour les spreads de crédit. Euh, le deuxième risque majeur, c'est le risque politique. Donc, euh, Jean-Christophe en a parlé un petit peu. Sur le marché du crédit, euh, ça va se séparer en deux phases. La première, dès février, donc les élections italiennes. Par habitude, un uneven pour le marché. Cette fois-ci, si le nom de Mario Draghi venait à être mentionné euh, pour le poste de président, on verrait euh, déjà un petit peu de volatilité sur les BTP et par conséquent, de la volatilité, de la volatilité aussi pardon, euh, sur les spreads de crédit italiens. Dans un second temps, en avril, on a les élections françaises. Alors là aussi, le panorama politique est un petit peu différent par rapport à 2017, mais si on se base sur euh, ce qu'on voyait historiquement, euh, l'intégration du risque politique français dans les spreads de crédit se matérialise autour du mois de novembre. Alors, comme je le disais, cette année, euh, ça va être vraiment différent. On écarte une pot un, un, un potentiel second tour entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, et donc on, on pense qu'il y aura un peu moins de volatilité sur des secteurs comme le retail ou la consommation. Et justement, tu parles de, de, de positionnement sur, sur le marché du crédit. Hein. On a un peu en tête que quand on a moins de soutien des banques, ou alors si on le dit inversement, c'est-à-dire que finalement, un quantitative easing a pour principal effet. De caper la volatilité. Et donc, euh, quelque part, ça, c'est très favorable à des compressions de spread de crédit. Est-ce qu'on peut s'imaginer imaginer, euh, finalement, ce que tu décris, hein, ce qu'on a vu avec les banques centrales qui vont être assez gentilles Est-ce qu'on peut continuer à privilégier, je ne sais pas, du high yield sur de l'administration de grade, par exemple, sur le crédit C'est quoi le positionnement que tu privilégierais dans un monde, quand même, qui est censé euh, laisser les spreads s'écarter, puisqu'il y a moins ouais. de soutien de, de, de la politique monétaire, et en même temps, si je puis dire, euh, une politique monétaire qui reste finalement assez gentille alors, euh, clairement, notre position, c'est de privilégier euh, le yield européen. Alors pourquoi Déjà, dans un premier temps, euh, la classe d'actifs propose des spreads assez attractifs et euh, on va dire que le risque de taux euh, est un plus gros risque pour la partie investment grade. Ajoutons à cela, dans un contexte de, de sell-off sur les taux, euh, de tapering euh, et de, 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 de soutien monétaire euh, plus axé sur la partie européenne, une dynamique des fondamentaux qui reste très positive. Alors évidemment, le gros du mouvement a déjà été fait, euh, mais si on regarde un petit peu les chiffres des agences de notation, euh, elles tablent sur euh, un point bas sur le taux global euh, de défaut euh, pour, entre le, le, le premier trimestre 2022 et le deuxième trimestre, autour des 1,5%. Euh, si on regarde aussi les métriques d'upgrade, d'owngrade, euh, elles sont toujours positives, et donc euh, tout ceci dans un contexte où il y a toujours cette fameuse thématique de la part des investisseurs de, de, de chasse au rendement, de end for yield, euh, qui en fait... Euh, constituera euh, un, un réel avantage pour, pour la classe d'actifs, avec des investisseurs qui, 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 vont, euh, qui vont tendre vers des trades de, de, de caries. Très bien. Et, et, et les, on a parlé pas mal des émergents. Les émergents, dans ce contexte-là, il faut, sur le crédit, parce qu'évidemment, il y a des politiques monétaires très divergentes, des, des niveaux de taux qui mmh. font saliver. Alors, je ne dis pas forcément la Turquie, mais, mais est-ce qu'il est qu faut regarder ça Alors. Deux choses. Euh, la première, euh, c'est sûrement le dernier risque qu'on peut, qu peut identifier pour 2022 sur, sur le marché du crédit. Évidemment, le marché a les yeux rivés euh, sur l'immobilier chinois depuis l'affaire Evergrande, qui a en fait, eu un, impact, un, un, un effet boule de neige euh, sur l'ensemble du, du, du marché chinois, euh, révélant en quelque sorte euh, la fragilité de, 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 de tout un secteur. Et donc, on a déjà vu euh, une première contagion au, au spread des signatures asiatiques en dollars. Et le gros risque, c'est euh, en fait, qu'on continue dans cette propagation, c'est assez, assez bien de dire ça dans un contexte pandémique, mais euh, au spread domestique cette fois-ci. Donc ça, c'est le premier grand risque. Reste à voir comment euh, le, le, le gouvernement chinois va implémenter telle ou telle mesure afin de, de, de protéger son marché immobilier. Euh, dans un second temps, euh, si on devait favoriser, euh, euh, si je puis dire, quelques noms euh, émergents, euh, on l'a dit pour la macro, mais euh, les pays nets net exportateurs de pétrole euh, seraient à favoriser. On n'a pas vu, euh, avec la flambée du prix des matières premières, de fortes compressions de spread sur les émergents, euh, sur, sur les, les émergents des, des, des pays exportateurs de pétrole. Donc, euh, à favoriser dans, dans ce contexte-là. Merci, euh, Julien. Donc, t as, t as, on, a, on a notre allocation crédit quelque part. Émilie, euh, 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 dans tout ce qui vient d'être dit, toi, tu, tu regardes ça. Euh comment, dans, 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 en termes d'allocation d'actifs, de portefeuille, je dirais, dans quel positionnement on, on privilégie, hein, on, on, on joue avec ces scénarios alternatifs et, et centraux, c'est quoi le bon positionnement, enfin en tout cas, le privilégié. Alors sur du multi-asset, nous, on continue quand même de préférer les actions, on est sur une vue euh, action euh, prudente, on va dire. Euh, Appuyer sur, euh, sur déjà euh, euh, sur notre vue macro, c'est vraiment, c'est l'introduction de Jeff que tu viens de faire, c'est... On est quand même sur un ralentissement des économies, mais on reste au-dessus du potentiel avec une inflation qui normalise et des banques centrales qui restent gentilles. Donc tout ça, c'est plutôt un environnement qui est bon pour les actions dans un contexte où, en plus, jusqu'à présent, on a quand même constaté une super résilience des corporates face au slowdown, face aux hausses de coûts. On a des marges, c'est mon graphique, on a des marges qui sont restées très élevées. 12% pour le SP 500, 7% en Europe qui sont euh, qui sont, euh, qui sont aussi euh, toujours euh, qui ont été peu révisés à la baisse en fait par les analystes même pour l'année prochaine malgré le risque inflation donc voilà on a des corporates qui sont qui sont relativement résilients un environnement qui nous dans notre scénario reste favorable donc tout ça c'est plutôt quand même bon pour les actions malgré tout euh, dans un contexte où on décrit quand même aussi un ralentissement des économies nous on a plutôt une vue quand même relativement prudente sur les choix euh, plutôt de la qualité, euh, voilà. rester sur euh, les entreprises qui sont résilientes, ben, elles ne sont pas toutes, en, en moyenne elles le sont, mais voilà, et, euh, et rester sur du défensif et voilà, sur de la prudence. Euh, on préfère notamment par exemple les développées que les émergentes, pour tous les risques hein, qu'on a décrits sur les émergents euh, aussi déjà. Euh, on aime aussi, euh, euh, en fait, on a une vue US-Europe qui est assez. Euh, on n'a pas de gros pari US-Europe, on va dire que. En, aux US, on va préférer euh, euh, accentuer le biais vers la qualité et le biais vers les corps pour être résilients à l'inflation du fait du risque macro plus fort peut-être dans cette zone, alors qu'en Europe, on va peut-être pouvoir se permettre un peu plus de paris un peu cycliques. Mais globalement, euh, c'est assez euh, équilibré US-Europe et avec voilà une vue quand même relativement prudente sur les actifs de, de qualité. Alors la question euh, à, What 1000 dollars, c'est est-ce euh, que quitte de la valorisation des actions parce que euh, on a l'impression que finalement les, les, voilà, on va de record en record et en en même temps, on voit que les, les, les earnings, les résultats, les, les bénéfices par action, eux, on les attend à plus de 50% cette année. Donc finalement, si on regarde en, en, en PER, on n'est pas si élevé que ça. Mais est-ce que, voilà, est que les valeurs des actions, c est, c est, il faut alors, en penser quoi Oui, clairement. Alors, les valorisations actions, c'est un risque, surtout quand on dit qu'il faut rester sur la qualité et, et le défensif, parce que c'est aussi les valeurs les plus chères. Euh, mais toutefois, y a, y a, déjà, il faut dire que... Euh, les valorisations actions sont chères. On est par exemple sur un SP 500 avec un P4WA de 22. 22, c'est élevé, mais ce n'est pas non plus, on a vu plus haut. Et en fait, si on regarde ce qui s'est passé sur l'année, euh, c'était euh, les pays n'ont pas progressé. C'était plutôt des hausses de earnings qui ont, qui ont permis ce, ce momentum exceptionnel sur les, sur les actions et euh, pas trop, en fait, des, des renchérissements. Donc, des actions sont chères, mais justifiées par les fondamentaux qui sont solides. Alors, bien évidemment, il faut surveiller les fondamentaux parce qu'on est aussi dans un scénario de décélération, malgré tout. Donc, il y a quand même un risque cyclique à surveiller. Mais euh, les actions sont chères parce que les fondamentaux, pour l'instant, sont bons. Deuxième chose à signaler aussi sur les valos, c'est vraiment que euh, la, la valorisation des actions est chère, mais nous, on a nos petits indicateurs de valos dans nos publications, notre Cross Asset Monitor. Euh, voilà, Je ne sais pas si vous êtes familier, mais on suit euh, les valorisations de tous les actifs et on, on note des valorisations chères pour les actions. On a par exemple des scores de valos entre 2 et 3 pour les actions, mais l'obligataire est encore plus cher. On a des scores entre 3 et 4. Donc voilà, en fait, ce problème de valo-action, il existe, mais il est aussi. Euh, c'est un problème en fait un peu plus large que des c'est le problème en fait de, bah, de niveau très bas des taux réels qui fait que tous les actifs aujourd'hui sont chers et sont vulnérables à des chocs. Et voilà, c'est peut-être un des majeurs risques pour nous en 2022, c'est euh, de voir en fait euh, des chocs de taux réels, comme on a vu en fait début 2018 où voilà on avait vu un choc de 40-50 bp euh, du taux réel euh, des taux. Et ça s'était traduit par un drawdown de 10% des actions. Et bien ça, c'est des choses qui, pour nous, sont tout à fait possibles encore en 2022, de, de, voilà, compte tenu de la symétrie. 2021, euh, il, est assez, il est deux fois moindre que ça. – Voilà, peut, donc euh, en fait, il y, y a quand même beaucoup plus de vulnérabilité en 2022 qu'on avait pu voir euh, enfin, euh, jusqu'à présent. Donc euh, nous, pour nous, il faut vraiment s'intéresser à, à cette question des taux réels et comment les hedger, et ce n'est pas simple, parce qu'un euh, choc de taux réel, ben, c'est un, aussi une recorrélation positive action go vise. Nous on voit le dollar qui est un bon edge pour les taux réels, on a écrit pas mal de choses là-dessus sur les hedges taux réels et puis aussi on, on, on recommande des protections en fait euh, euh, même partielles parce qu'on s'attend, ce, ce genre de choc c'est des drawdowns de 10-15%, c'est pas à 25% non plus, donc on voilà des protections partielles ça permet de monétiser le skew et ça peut être intéressant pour hedger euh, les chocs de taux réels. L'autre gros sujet, l'inflation, que ce soit stagflation ou si ou inflation, inflation durable, c'est un peu les deux, les deux risques qu'on peut avoir par rapport à notre scénario central. Comment est-ce qu'on se protège dans les deux cas de, de l'inflation C'est quoi le... Alors, euh, inflation, effectivement... C'est bon, inflation, c'est risque off hein. mais bon, disons inflation, effectivement. <laughs> voilà, en fait, c'est toute la question, en fait, du risque-inflation. C'est que, euh, un portefeuille inflation, c'est compliqué parce que, euh, est-ce qu'on joue euh, le, le, le facteur cycle Est-ce qu'on joue le ralentissement cyclique qui va avec euh, un risque-inflation Ou est-ce qu'on joue les hausses de taux réels qui va avec le repricing des politiques monétaires Et ce n'est pas du tout les mêmes actifs. C'est mon graphique, en fait, sur, sur ce slide. Euh, on, a fait un plan, on, a, on a découpé les actifs dans un plan inflation-croissance, et on voit que euh, les actifs qui. Il qui, y a un cadran, le cadran en haut à gauche, c'est les actifs qui sont positivement sensibles à l'inflation et positivement sensibles à la croissance. Et bien, ceux-là, ça va être la value, les commos, les financières, tout ça, c'est des actifs qui sont très cycliques. Donc, un risque euh, assez marqué en cas de, bah, de, de chute des marges, etc. Et à l'inverse, les actifs plus défensifs qui agent l'inflation, c'est l'or et les indices inflation. Et ça, c'est des actifs qui sont très vulnérables en cas de hausse des taux réels. Donc, euh, c'est compliqué voilà, de, de choisir en fait, entre les deux. Et si on ne peut pas le faire, on nous on recommande de mixer, en fait, d'avoir un portefeuille qui diversifie et qui tente euh, de répliquer le facteur inflation en essayant de minimiser l'exposition au cycle et au taux réel. Très bien. Ben, merci beaucoup, euh, Julien. Beaucoup, merci, Émilie. Euh, on va, on, va, on, va, on, va, on va terminer là, cette session. Ce que je vous invite à faire, c'est que si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser à vos, à vos correspondants de la recherche ou vos vendeurs ou votre coverage préféré chez Natixis. Euh, on a notre compte Twitter, hein, Natixis Research, euh, où on poste de plus en plus de choses, et puis le site web research.natixis.com, euh, où bah, justement on a le cross-asset monitor que vient d'évoquer. On a, on a plein de choses. Donc si je résume un petit peu, si vous voulez, la, 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 notre outlook 2022, nous on est quand même dans un, dans un monde qui continue. On n'est pas justement dans la on n'est pas dans l'inflation, on est dans un monde où il y a un peu plus d'inflation, du temporaire qui dure de ce point de vue-là, mais on est sur un monde quand même qui continue à croître assez, assez, assez favorablement, nettement plus que la croissance potentielle encore l'année prochaine, que ce soit pour la croissance mondiale, mais que ce soit voilà, les États-Unis, l'Europe, la Chine, tout ça ralentit par rapport au rattrapage hein, qu'on n'a pas V, Donc l'année prochaine, on n'est on est pas sur un plateau, ça continue un petit peu à monter. Donc dans ce contexte-là, évidemment, on a un peu d'inflation, on l'a dit avec Bernard, des matières premières qui vont rester soutenu. Donc on va avoir des banques centrales qui ont toute raison quand même de commencer leur, leur tapering, mais avec cette, je dirais, retour à la normale, hein, c'est un peu de la mini reversion pour être dans l'univers d'Emily, euh, on a un peu ce retour à la normale quand même euh, qui, qui vient sur les, sur les taux de croissance et d'inflation, et donc des banques centrales finalement qui ne seront pas si méchantes que ça. Et donc, on est sur des taux réels qui restent historiquement bas, hein, comparé à 2018, et donc ça, c'est effectivement ce qu'on a décrit avec Julien et euh, ou avant avec les taux, on, on a des choses qui ne sont pas trop défavorables à la soutenabilité de la dette, hein, c'est quand même aussi un des sujets qu'on qu regarde beaucoup à la recherche chez Natixis, mais qui ne sont pas non plus trop défavorables aux actifs, euh, au crédit, à une allocation d'actifs euh, que vient de nous décrire Émilie. Donc, ouais, merci beaucoup en tout cas, n'hésitez pas à, à faire du follow-up avec vos, vos correspondants en tout cas. Merci de votre, de votre présence et à une prochaine fois, à très bientôt.